Allô, allô, nous comptons. Bonsoir tout le monde, bonsoir la famille, bonsoir, bonjour, dépendamment de qui côté ou à côté nous aujourd'hui. C'est un plaisir pour nous capables de retrouver où dans classe mercredi soir ça, que me relais atelier à la citoyenneté, côté que chaque mercredi nous invitons un monde qui vient aborder avec nous une problématique haïtienne. Et l'homme dit une problématique haïtienne, ça veut dire un bagage qui utile dans l'avancement pays. Jusque-là, nous faisons pile théorie, nous faisons pile concept, nous faisons pile conceptualisation. Sauf que, aujourd'hui, nous t'ai souhaité pratique. Parce que pour développer un pays, pour développer une collectivité, il faut d'abord créer richesse. C'est lorsqu'on finit créer richesse qu'on est capable de distribuer richesse. Et pour capable créer richesse, faut gagner, ça que y aurait en économie, des entrepreneurs, femmes tant que garçons, ça que en Haïti, y aurait globalement secteur privé. Donc, c'est plutôt des entrepreneurs, des mounes qui prennent risque pour offrir soit des services, pour lancer soit des produits qui répondent à besoins collectivités, hein? Qu'on sait créer richesse là, et pendant qu'on crée richesse là, puisque yo créé job, moun ap travail, et puis richesse là tout à distribuer. Et ça nous besoin qu'on ait, c'est que pas gagné collectivité qui capable développer, pas gagné pays capable développer, si pas gagné ce qu'on appelle des créateurs de richesse, si pas gagné des créateurs de valeur, pas gagné collectivité capable développer. Si pas gagné des mounes qui là justement pour capable prendre risque, qui investit bien que au gagné, qui hypothéquer caillou, qui quitter tout ça au t'a fait parce que à un moment donné yo gon passion, yo gon folie, folie dans bon sens terme non, en puis yo dit moi-même c'est contribution ça que m'pral faire dans société a, c'est comme ça m'pral créer richesse dans société a. De manière à ce que je suis capable de tirer collectivité m'pio. Malheureusement, dans le pays, nous en Haïti, il n'y a pas de forme nous pour nous développer esprit entreprise. Pour qui ça a été formé nous, ou à l'école, ou à apprendre un métier, ensuite pour aller chercher job. Et c'est ça qui fait que lorsque l'école, ou apprendre un métier, ou pas joindre job en Haïti, 9 fois sur 10, c'est ça qui fait que ou quitte Haïti ou aller ailleurs. Heureusement pour nous, gagner 4 jeunes qui ont même te fait le choix opposé, ont fait le bon choix. Y aller l'école, tant que tout le monde, y apprendre un métier, et à un moment donné, ils ont dit non. Tant pour mal chercher job, tant pour mal mander mon job, moi aussi intelligent que mon qui créait job, yo. M'gon passion qui anime moi, m'gon service que me voulez offrir, m'gon produit que me besoin mettre sur le marché, tant pour mander mon job, m'poil créer quelque chose. C'est ça où il est se lancer en entreprise. Mais nous tous connaissons que lancer en entreprise dans tout pays, c'est risque. Mais gen pays côté que lancer en entreprise sont bagailles qui beaucoup plus compliqué. Nous songeons en 2010, t'as gagné un slogan qui était à la mode avec l'équipe PHTK. Haiti is open for business. Et moi-même, qui suis expert en management, m'étais intéressé à garder données, m'étais intéressé à garder est-ce que c'est vrai, depuis que slogan ça a lancé, les plus faciles pour mon capable lancer en entreprise. Une façon pour mon lancer en entreprise, c'est justement faut qu'on capable trouver capital parce que l'on on a lancé en entreprise, c'est pas toujours vrai qu'on gagne cob là. Eh bien, généralement, faut qu'on banque qui accepte prêt au cob. Puis m'étais intéressé regarder est-ce que depuis que slogan ça a été lancé en 2010, est-ce que effectivement banquio t'es prêté mon l'argent plus facilement. M'étais déçu parce que toute étude que me consultais, et même 11 ans plus tard, nous en 2021, prouvait, un, que affaire Haiti is open for business, non, c'est un slogan le théier, l'hypathé, j'aime atterri, même j'ai dit en Haïti, et on a raison que fait le pas
y pa te atterri, c'est que yon moun qui envie lancer une entreprise, pa te plus gen accès à capital. Et le triste chiffre jusqu'à présent jodi, et c'est qu'on salte toujours hier depuis que banque fondée en Haïti, eh bien la banque prête l'argent à seulement 6% de clientèle li. Et le parle de microcrédit, le yon banque par exemple en Haïti accepte prête yon moun kob nan cadre de sa ou le microcrédit, eh bien à la longue, moun nan dépense yon paquet kob nan intérêt, li dépense yon paquet kob nan seulement fait démarche pour capable obtenir prêt, en sorte que 11 ans après que yote fin lance slogan Haiti is open for business, nad marinad, même j'en ou di, rien pas marché. Et pourtant, nous gagnons des courageux en Haïti. Nous gagnons des héros. Nous gagnons des héroïnes, des jeunes femmes, des jeunes garçons qui disent, malgré tout obstacle qui gagne, moi-même, mon grand passion, je voulais lancer une entreprise, je voulais prendre un risque pour me capable créer richesse, pour me capable créer valeur. Nous gagnons 4 maillots après-midi. 4 qui dispose partager avec nous qui parcours yote prend pour yote rive lancer business yo, qui obstacle que yote joine, comment yote contourner obstacle là, et jo qui défi qui encore devant yo. Parce que pour un pays pas mourir, faut gen des moun qui accepte rete. Pour un pays capable développer, faut gen moun qui créer richesse là. Et bien 4 jeunes sa yo déjà nous félicite yo, parce que yo te accepté fait ça que l'école nous pas t'apprendre nous fait, à savoir non seulement ou doit apprendre un métier, mais on pas apprendre métier à exclusivement pour aller demander job, mais ou ka à l'école pour créer job. M'a présenté nous yo jodi a, et à yo chaque l'homme fin présenté nous yo, nous pour demander yo parcours yo. Il a fait ça non tant qui coûte, parce que nous gagne 4 nan yo. Et nous rendons compte que moun yo déjà présent pour suivre live là, et sur YouTube et sur Facebook. Ça que nous avons demandé, c'est prendre un petit temps pour capable partager live là sur réseau yo, pour que au moment que me fait 4 invités mieux monter, pour yo sentir que un gros public qui t'attend. Donc nous parlons pour un petit pause encore, nous allons demander l'équipe technique là pour nous prendre une pause rapide, et au retour de pause là, nous allons présenter nos 4 invité mio, show à poil belle jodia, et surtout show à poil instructif. Et but nous, pas oublier, nous dit, c'est un atelier lié, c'est une initiation à la citoyenneté. Bien, but nous, c'est que au terme de entrevue jodia, les jeunes qui coûtent, les jeunes qui poil coûtent, parce que nous pas l'invité au partager live là, ils sont capables de dire, qu'est-ce que vous me réchita à attendre mon bon job, peut-être que vous avez créé job. Parce que mon grand passion, parce que mon grand talent, parce que mon idée. Mais pour me capable créer job, gagner un certain nombre d'étapes pour me capable respecter. Et c'est ça que 4 invités nous aujourd'hui pour aider nous comprendre. Nous comptons qu'on là, non pas M. Jean-Fils Aimé, ou sous chaîne Lumière sur le monde, et on a atelier mercredi soir là, qui relait à ne parler pour nous avancer. N'a pas pause, n'a tourné tout de suite. Rete là. Mbote, Nangadef, comment nouyer la famille? Où trouver les livres du docteur Fils-Aimé? Très simple. Sur son site internet au www.jeanfilsaime.com ou sur Amazon, amazon.com, amazon.ca. Vous pouvez aussi nous écrire directement par email ou par Facebook. Dans tous les cas, c'est plus de 13 ouvrages sur diverses thématiques qui vous attendent. Un beau cadeau à se faire ou à offrir à nos proches. On est ensemble! Eh bien voilà, nous retournons, nous contents que là, n'a continué inviter ou à partager live là dans réseau ou que ce soit ou même qui suivent nous sur Facebook ou bien ou même qui suivent nous sur YouTube, partager live là, parce que nous gagnons 4 jeunes qui gagnent en pile importance pour pays a. Avenir pays a, c'est jeunes. L'homme dit avenir pays a, ça pas signifie que pays a pour commencer compter sur yo demain. Non, mais c'est depuis qu'on est à pays a doit compter sur yo. Premier moun que m'a présenté ou, c'est Uriel Priscille Volsi. C'est un entrepreneur. La pral di nou parcours li, n'a seulement mandé équipe là pour
pour présenter le bonhomme pour public capable ou d'accord. Deuxième monde que nous gagnons sous panel la jodi a c'est Gino Prophète. Nous parler de Gino Prophète. Troisième monde que n'a pas gagner c'est Jules Kendi et quatrième monde c'est Caroline Sever. Donc Jean que nous t'a remé fonctionner jodi a c'est prend yo yon à la fois pour dire nous qui côté au sorti par quoi là et puis nous prend l'autre là. Nous prenons troisième, nous prenons quatrième, puis nous gagnons tous les quatre sous quatrième, puis bagala pour le show. On nous commence avec Uriel Priscille Volsi. Bonsoir, Uriel. Alors, bonsoir, docteur Fizeme. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir à tout le monde qui branche live là. Bonsoir, Candy. Bonsoir, tout le monde. Donc, nous parlons de Uriel Priscille Volsi. Moi, c'est Jean-Docteur Lundi, mais c'est un jeune entrepreneur qui a évolué dans le secteur artisanal et puis dans le secteur transformation produits agricoles. Donc, moi, c'est un étudiant en administration des affaires dans l'Université de Notre-Dame. Alors, dans le moment là, m'a préparé mes mémoires, qui a sous thème inclusion des femmes dans l'écosystème entrepreneurial d'Haïti, défis et opportunités. Donc, Et pendant que étudiante Uriel Priscille ou son entrepreneur dans quel domaine ou lançons en entreprise moi lancé moi dans domaine artisanal au début donc en 2016 des étudiants toujours et administration des affaires lancé première entreprise qui est dans l'artisanat. Nous faisons bijoux, nous faisons sandales, nous faisons matériel décoration pour nous capables offrir et clients. Après ça, nous lançons en 2019 là, nous lançons une entreprise qui est dans le secteur agricole. Donc c'est ça net. Mais en 2019 là, nous dénoncions notre entreprise qui c'est l'honneur restaurant mobile. Donc, ça veut dire que vous gagnez une multiple expérience. Il y en a une première expérience qu'on gagne où tu lances un produit artisanal. Est-ce que, puisqu'on dit où tu connais produit bijoux, donc, belles années que moi gagne dans les oreilles là, je pense que c'est l'entreprise ou a fait là. Ça, et bijoux, ça, c'est pas l'entreprise qui fait, mais de 2016 à 2021, l'entreprise prend expansion. Donc, il y a logique, 4 ans, l'autre artisan, côté que l'y acheter, non, mais l'autre artisan, et l'y vendre sous site web. D'accord. Donc, non seulement ou dans le produit artisanal, ou tu lances autour dans le produit agricole, c'est ça net. Qui ça, c'est ça net là, tu es qu'on vend? Qui ça nous te qu'on mette sur le marché? C'est ça net là, lui-même, j'aimerais dire, non, c'est une entreprise qui n'a pas envers ça. Conservation et transformation produits agricoles. Donc, actuellement, nous gagnons sous marché à une épice, qui c'est une épice marinade, que est utilisée pour faire toute qualité manger, etc. Et après ça, nous gagnons l'autre qui c'est farine, nous gagnons farine lame, farine banane, et c'est ça. L'homme de petit, m'de kon m'de rem en pile oui farine, la boui que te kon fait avec farine banane. Nous content. N'a fait un deuxième invité rentrer pour le capable font y parler de nous rapidement et puis avant que nous lancer débat. Deuxième invité nous c'est Gino Prophète. Gino, comment y est? N'a pas parlé Gino? Voilà. Gino, comment y est? Bonsoir, docteur Fizeme. Bonsoir à tout le monde qui a regardé nous. Moi très bien. Très bien. On capable remarquer ça. Oui, moi ça oui. Oui, moi c'est Gino Prophète. Oui. Moi c'est un médecin, moi j'ai une spécialisation dans radiologie que moi à peine gain 1 an depuis que moi terminé. Moi c'est PDG d'une entreprise qui relie Radiocam. Même fait interprétation, examen imagerie, c'est-à-dire dans même domaine pas moi en ligne.
Ça veut dire que, aidez-nous bien comprendre. Donc, vous êtes médecin, okay. Et puis, vous lancez une entreprise dans affaire imagerie médicale, c'est ça? Justement, c'est ça. Donc, moi, c'est médecin, moi, j'ai une spécialisation dans radiologie. Et l'entreprise que moi, lancé, c'est dans l'imagerie médicale. Okay. Imagerie médicale. Le parle de imagerie médicale, pour que tout le monde puisse bien comprendre, qui ça y est? En fait, imagerie médicale, son spécialisation, côté que la donne nous fait interpréter radiographie, sonographie, scanner, RM, et puis l'autre modalité encore, la mammographie, hystérosalpingographie. C'est des thématiques qui pourraient presque englober toute sa gamme de images en dans médecine. Voilà. Et c'est dans qui parti pays oyé Gino. Non, ça pas dérange que me relo Gino. Pas que problème pas vraiment mais docteur, et c'est dans qui parti pays oyé. Voilà. C'est dans qui parti pays oyé Gino. Nous on capable dire tout côté dans pays là. Mais nous plus basé nous à Bange parce que entreprise nous sont entreprise qui fait en ligne. OK, d'accord. C'est internet que nous gagnons. C'est www.radiocam.com. Sur ce site internet, ça, nous regroupons l'hôpital, surtout qui est dans la ville provinciale. Et puis, nous avons des radiologues, des spécialistes qui, même j'avais point, qui sont sur la plateforme. Ça. Donc, nous avons trouvé les plateformes, pour nous tout comprendre, en plateforme, nous connecter l'hôpital avec radiologues. Et l'hôpital, ça, majoritairement dans la ville province, parce qu'il y a une carence en spécialistes, surtout en radiologues. Qui dans la ville provinciale, déjà nous avons que 40 pour toute Haïti. Et la majorité de nous, capable de 39 ou bien 38 de nous, avons vivre pour Brest. Ça qui fait que tout l'autre département, ou presque pas de radiologue, ça va donner. Et ou offre un service en ligne pour capable combler besoin ça. Parfait. Face à désert médical, ça qui gagne. Hein? Donc nous faisons service à côté que, quel que soit à côté que vous y êtes dans le pays, ou capable d'avoir accès à une interprétation faite par un spécialiste en imagerie médicale. C'est good. Ça. Ah, m'a pas grand-pile question pour oui. M'a pralé yon troisième invité, c'est Carline Sévère. Est-ce que Carline, voilà. Regardez, m'a deux belles femmes créoles là. Deux belles femmes extravagantes, extraverties. Wow! Belle bagarre. M'clé sous ça. M'clé sous ça. Oui, m'clé sous ça. En fait, merci un peu pour l'invitation. Fizume, nom c'est Carline Sévère. Je suis entrepreneur, je suis dans le domaine artisanal. Et moi, j'ai 9 ans dans le domaine d'études, moi, c'est administration et marketing, entrepreneuriat. Et moi, business social, mais quand fait nous avons souterrain en tant que business individuel, mais nous faisons seulement et artisanat depuis 9 ans ça. Et année ça justement à PC Expand et justement servir communauté nous plus et Expand produit nous plus. C'est ça fait que année ça nous venons avec des nouveaux produits comme sac à main et puis produits recyclage. Je connais tout, faut travailler pour l'environnement parce que nous vivons dans la planète, faut que nous utilisions la planète là. Ça c'est ça qu'a fait Doria PC fait année ça. Et donc, merci pour l'invitation. L'ordi café doré, m'ta pensé c'est café au vin. Donc non, c'est produit artisanal qu'au vin, c'est ça? C'est ça, c'est totalement artisanal et en termes global, soit pensé c'est fashion, ça veut dire c'est bagay qui est rapport à crade, à bijoux, à accessoires, so, c'est ça. Bon, café doré, m'pone les prix, ça c'est café doré. Est-ce que Zanok dans oreille ou là c'est café doré qui fait lire? Ah oui, clair, tout ça qui se met, c'est café doré. Hein? au moins, c'est pas tellement jouda à m'observer. Voilà, donc merci parce qu'on a accepté Carline. Et quatrième invité que m'y a aujourd'hui, hein, c'est Jules Kendi. N'a pas demandé pour que, voilà, est-ce que Jules en onde là qu'on y est? Bon après-midi, Jules. Bonsoir, docteur Fizimi. Comment bonsoir on est? À... Moi en forme, très bien. Ça se voit. Bon, ouais, oui. Dis-nous, parlez-nous brièvement de qui est Souye Jules, qui es-tu nous fais et dans qui ça ou lance en entreprise? Moi, c'est Joseph Kendi Jules. Moi, c'est mon Jacmel. C'est là, moi, j'ai un business, moi, tout. Moi, je fais dans la section communale Cap Rouge. C'est en section communale commune Cajacmel, mais moi, vive dans la commune Jacmel, dans chef lieu. Moi, étudie agronomie. Et moi spécialisé dans économie et développement rural en licence dans faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire FAMV et Université d'État d'Haïti.
Moi fondé en 2019 avec deux autres amis, moi fondé entreprise Agrigo, qui c'est une entreprise qui spécialisée dans la transformation épices et herbes aromatiques en poudre. Nous actuellement nous depuis 2019 nous produisons gingembre avec et safran, ça est les curcuma ou bien turmeric là. Oui, nous produisons deux produits ça, nous fait deux produits ça que nous mettons sous principe que nous vendons principalement sur marché national là. Mais depuis quelques mois, nous produisons également basilic en poudre, citronnelle en poudre et mélisse en poudre et que nous vendons en marque blanche à une compagnie partenaire aux États-Unis qui distribue elle sous marque Pal New Jersey. Et wow. Actuellement là, moi a fait test pour une nouvelle entreprise que moi lancé avec un staff en groupe jeune entrepreneur qui est basé en Haïti et aux États-Unis qui est Hispot, c'est HISPOT et c'est une plateforme e-commerce, une plateforme commerce électronique côté que entrepreneur qui en Haïti qui a un bon produit capable de vendre produit ou capable de connecter avec le marché international là. Actuellement là, nous avons fait un test, nous déjà apprécié voir des commandes, n'importe qui a visité HISPOT.com, n'importe qui est aux États-Unis dans quel que soit état États-Unis, mais c'est arrivé sur Canada bientôt et quel que soit état États-Unis, mon n'a qu'à monter sur site là et puis il qu'à commander produit entrepreneur qui Jérémien, produit Uriel par exemple, produit n'importe quel entrepreneur qui gagne un bon produit et qui dans le produit Darlene par exemple, n'importe quel entrepreneur qui voulait connecter à le marché international. On a essayé de démocratiser l'exportation. Donc, dès qu'on a un bon produit, nous voulons retirer l'autre barrière qui a empêché l'exporter. Dès qu'on a un bon produit. Okay. Qu'on est en appelant ce débat. Merci en pile. Tout le monde connaît dans quel domaine nous chaque évoluer. Qu'on est, l'homme on n'a pas lancé en entreprise. Généralement, lorsqu'on a idée dans tête ou, c'est parce qu'on est persuadé que produit ça au poil vendant ou bien service ça au poil offrir li répond à un besoin dans marché a. Le nous t'ai décidé lancer nous en affaire qui premier obstacle nous t'ai gagné le nous dit ah m'vlais lancer mon en entreprise oui mais ou obstacle ça difficulté ça paraît gros pour moi qui premier obstacle ou t'ai rencontré Uriel. Merci. Et le premier obstacle que je peux rencontrer, ou que moi-même, je peux rencontrer, c'est. Faut-il parler plus fort? Uriel, approchez-vous de micro. Rapprochez-vous de micro, s'il vous plaît. Voilà. Eh, oui, oui, voilà. On est en forme, oui, oui. Bien entendu. Il y a un obstacle que je peux rencontrer lors de l'entreprise ou mon projet. Mm-hmm. Donc, c'est moyen pour capable lancer. Mm-hmm. Lancer activité ça. Donc, il y a un cabel, il est intéressant, vous voulez faire, et puis, là où elle sous-marché, il y a des prix matières premières, coût marketing, tout ça, ça m'a demandé pour capable mettre l'entreprise sous pied. Et là, ça a dit, oh, gardez l'argent, pourquoi tu as besoin de tout comme ça? Ça, c'est le premier obstacle. Donc, chaque entreprise, va vous lancer, c'est comme ça, elle est toujours. Donc, premier obstacle que tu as gagné, c'est l'offre de garder combien de cobs ça pourra le prendre ou de quel côté je pourrais trouver l'argent. Donc, le problème, c'est un problème capital d'abord. Bon, on va le dire tout à l'heure, comment on te fait pour contrer le problème ça? Est-ce que son groupe de monde dans la famille ou prête l'argent? Est-ce que c'est des amis? Est-ce que c'est des collaborateurs ou à le chercher? Est-ce que c'est banque qui te prête? Comment on te fait résoudre le problème ça? On va le tourner. Donc, on a quitté mon un petit peu en suspens dans l'atelier. On a venu joindre. Maintenant, Gino Prophète. Gino, ou même qui première difficulté, l'on finit en l'école de médecine ou fin gradué comme médecin. D'abord, qui ça te fait lancer en business et qui premier obstacle que tu as rencontré dans le chemin entrepreneurial? Ah, ok. En fait, là, moi fini dans la faculté de médecine. Et c'est peut-être moi fait 7 ans dans la faculté de médecine et de pharmacie. Dans l'Université d'État d'Haïti. Tout de suite après, et moi, j'ai eu une belle expérience que j'ai fait, c'est que ça a canalisé tout pour l'Allemagne. Moi, j'ai eu deux expériences. Première expérience, c'est que je suis marié. Après, j'ai eu une formation qui m'a montré pour me chercher comment je suis à la recherche de mission personnelle. Oui. Je pense que c'est à partir de. Je suis capable de faire deux expériences, mais surtout mission personnelle qui va faire que je connais qui ça que je viens de faire sur ça.
Comment que mon rôle pour connecter des mondes qui vraiment vulnérables avec côté qui gagne ressources, qui gagne richesse, yo. Mon plateforme, mon connecteur. Et puis, ma vie me rend compte que l'aime quand rentrer dans la radiologie, effectivement, côté que l'aime en première année, moi, je suis des mondes qui sont sortis dans la ville de province, qui viennent pas au prince seulement pour venir réaliser un examen radiographique. Et ce n'est pas réaliser qui était plus important, c'était venir chercher interprétation dans mon spécialiste. Vin chercher résultat radiographie a pour expliquer qui sa image ça veut dire, etc. Et ça a été touché ou? C'est évidemment, parce que là, je me compte que mes parents sont sur Port de Paix. Dans le nord-ouest, oui. Port de Paix, dans le nord-ouest. On a fait 4 à 5 heures de temps dans le bus pour rentrer à Port-au-Prince. Déjà, comme bus ça, c'est comme côté qu'a réalisé l'examen. Et en plus, dans le Port de Paix, il y a côté, il y a l'hôpital qui est capable de faire l'examen ça. Et c'est là que nous avons dit que l'idée est presque mal finie, etc. Mais l'obstacle que nous avons vraiment dans la première année, c'était qui est-ce qui était capable de faire plateforme ça. Parce que moi, dans le domaine médical, pour qu'on vraiment gagne accès à des développeurs, des gens qui ont la technologie. Informatique, logiciel. Justement, parce que dans la faculté de médecine, je n'ai pas de gain pour ça. Mais c'était comment que nous capable de jouer une plateforme ça. Pour nous-mêmes, l'idée plus bon ressources humaines que l'argent. Mais l'argent va venir après. Parce que nous développer plateforme là, peut-être plus devant nous capables de nous qui moyen que nous fait. Oui, et on va le dire, oui. Nous avons tout profité de dire, jeunes, gagner le lot, pas gagner l'argent. L'argent pas obligé d'obstacle ou business qu'on gagne sous une idée qui, ou bien sous un projet qui a résolu un problème qui est réel dans la société. Ça, c'est gros qu'on dit là, oui. Et c'est bagaille que tout le monde connaît. Il dit. C'est l'idée qui mène le monde, ce n'est pas l'argent qui mène le monde. Justement. Si nous avons une bonne idée qui répond à un besoin, si nous convaincus que l'idée est un bon travail sous lui, l'argent vient après. Je ne vais pas dire la facile, non, mais l'argent, ce n'est pas le premier problème. Non? Et vous-même, vous confirmez ça. Évidemment, évidemment. Bon, peut-être que je ne sais pas si je vais quitter l'autre intervenant. Oui, je vais prendre Karline. Et puis, à chaque étape, je vais aller tout le monde et puis je vais retourner sous question l'argent. Mais d'accord, vous comprenez bien, Gino. Et Karline, et la flamboyante Karline, ou même leur plan saut, leur décider l'en saut en entreprise, qui premier difficulté que vous avez rencontré? Est-ce que c'était trouver moun pour qu'ils mettent ido là à exécution ou bien problème l'argent? Expliquez-nous ça. Son pas bon, Karline. Allô, Karline? Son. Ok. Gèle, nous avons un petit problème son avec Karline. Le temps pour Karline rend compte que nous avons un problème son. Karline, ouvre le micro là pour ouais. Voilà. Est-ce qu'on t'entend bien, Karline? Oui. Allô? Ok. Donc, nous avons un petit problème avec son, Karline. Non? Pendant que Karline n'a pas résolu le problème son, on a prêt à aller l'autre invité nous. Hein? C'est Jules Kendi. Jules. Le où t'es décidé lancer en entreprise ou même qui premier obstacle où t'es fait face à lui-même qui premier problème que t'es gagné? Bon, moi qui a dit, n'a pas même qui a dit premier problème non, c'était problème financement. Parce que même genre avec Uriel, moi quoi. Mais faut me dire tout que première tentative de lancement d'entreprise moi et pas réussi. Parce que c'est plus gros obstacle de jeûner avec un projet qui est le biodôme. C'est un projet, nous avons un produit biogaz à partir de déchets pour nous essayer de remplacer le charbon de bois comme combustible pour cuire manger et en Haïti. Et nous avons démocratiser ça. Et le projet, ça était venu, ça que nous avons pensé avec elle. Et ce n'est pas d'abord problème, non, c'était un concours qui est le All Prize qui fait chaque année, c'est un concours international. Et pour jeunes étudiants, nous participé là-dedans en Californie. Donc, là, nous allons dans le concours, nous avons gagné en équipe et nous avons cherché des problèmes et puis chercher des solutions parce que c'est un concours d'entrepreneuriat social. Il faut focus sur le projet qui a résolu un problème pressant dans le monde. Et bien, nous avons avec le projet ça et qui demande des gros dépenses parce que l'ambition, nous, nous faisons biogaz déjà, mais nous avons voulu porter des innovations. Par exemple, nous avons voulu capable d'essayer de garder ce que nous avons développé des technologies pour que nous comprissions le temps pour propane, par exemple. Et c'était une grosse ambition ça que nous avons gagné et que malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de support et pour nous avancer. Peut-être que nous avons fait biogaz, nous avons fait avec
peu de moyens que nous gagnons, mais ambition, c'est pas de saleté, et finalement, entreprise va te lancer, et je ne suis pas fier de ça. Oui, mais ça ne signifie qu'on ne peut pas tourner la donne, non? Ça ne signifie qu'il mourit net. Oui, oui. Ça ne signifie qu'il mourit net. Et puis, qui sait, on va gagner en crédibilité, on va gagner en confiance, et puis, après, peut-être qu'il y a des investisseurs qui disent, monsieur, pouvait être là. Dans l'autre domaine qu'on y a nous prête à sortir l'argent. Donc, n'a pas si Caroline Paris qu'on y est. Allô, Caroline? Oh, m'stil gen problème son avec Caroline. Caroline, gardez pour est son, gardez pour est si micro ouvri. Gardez pour est. Technicien a pécré ou là, n'a pas si technicien si y a pas arrivé et d'où à résoudre problème. Donc, on est bon retourner avec, Uriel. Uriel, côté haut. Voilà. Uriel, l'homme on a lancé en affaire, yon nan premier bagay ou fait étude de marché pour est-ce que ça nan tête ou a li correspond à un besoin réel nan communauté, nan collectivité que ou poil desservir et après ou créer yon plan des affaires, yon plan d'affaires pour que tout à fait capable clair nan moment que ou poil décider trouver financement, trouver partenaire. Comment on t'arrivé passe à travers deux premières étapes si là yo Uriel. Ah, Uriel disparaît tout, mais n'a pas lancé nous avec Gino. Gino. Allô Gino. Oui. Donc, on dit que l'homme on n'a pas lancé en affaire ou même on saute dit nous clairement, c'est lorsque ou même c'est mon province ou c'est mon port de paix, l'on regarde quantité l'argent que on moun sorti dépenser le sorti porte paix pour la faire interpréter radiographie pour lui pour au prince ou dit ah si m'te ka fon bagay pour aider moun si la ou m'ta senti mutile. Maintenant comment t'arrive faire yon étude de marché suivi d'un plan d'affaires, qui est-ce qui t'aide ou comment t'es arrivé traverser étape ça Gino prophète? En fait Radio Cam, si m'ka pa raconter histoire ça comme ça, Radio Cam son entreprise qui vraiment capable atypique. Nous sorti de cadre capable traditionnel côté que nous plan d'affaires nous gagner de bagaille que moi m'enseigner l'école et que m'étudier donc on dit bah ça c'est jouette parce que comment sorti c'est encore une fois j'ai t'a parlé en fait c'est des bagailles que t'as vraiment des jeunes yo pour être capable surtout focus sur lui c'est empathie. Et en partie, c'est-à-dire que la capacité que nous avons pour être sensible, mettre en place le monde, nous avons lancé l'entreprise. Et nous avons montré que tout le monde a fini, et nous avons un paquet de côté, Jérémy, pour de paix, c'est pas que pour de paix, il y a l'autre côté qui a fini. Nous avons dit, ah, ça est capable de faire un sens. Et encore une fois, nous avons commencé à interpréter sur WhatsApp. Il faut que nous disions ça. Et c'est là que nous avons parlé d'un prototype, pour nous après ça, nous allons commencer à jouer des financements. Et nous-mêmes, commencer sur WhatsApp, nous pas de quoi pour nous faire et pour nous lancer plateforme là, nous participer dans des concours. Et c'est là, je suis capable de dire encore, des idées, résoudre problème là réellement, c'est-à-dire dans la communauté, ou abjoindre l'autre monde. Et première entreprise, je suis capable de dire qu'il y a bon support, parce qu'on a un concours pour prendre des startups, qui ont des idées qui sont capables, qui sont très innovantes. Innovantes, hein? C'est Bunge. Bunge. Ban nous financement, ban nous ressources, côté que nous développer premier format, nous capable dire premier bon site internet que nous gagne de Radio Cam. Parlez-nous de Bange nan. Qui ça Bange nan yé? Ça Bange nan yé? Bange, c'est un coworking space, nous capable dire. Un espace de travail de coopération. OK, et puis qui capable dire qui fait des financements à des startups, c'est-à-dire qui cherche de monde qui gagne de projets innovants et puis qui permettent de connecter avec soit des investisseurs ou bien eux même tout sont capables de faire des investissements. Est-ce que c'est des Haïtiens qui n'en mangent non ou bien c'est des étrangers? C'est Marc-Alain Boussico qui PDG Bange. Bravo, très bien. Et c'est Bange qui peut aller d'eau trouver l'argent pour lancer où dans l'aventure ça qui consistait à offrir imagerie médicale à moun dans tout pays. Donc, vous dites même dans ce sens, ou pas besoin de passer par étape, faire étude de marché, non. Nous pas besoin de faire, n'est-ce pas, un plan d'affaires, non. Eh bien,
ou t'es gon réseau, ça est important dans la vie pour mon côté. Parfois c'est un réseau ou gon moun ko parle avec lui qui dit mon cher, ah pour soit parler à là, mon connaît monsieur Banjo qui kaido, et puis voilà ou sauter deux étapes ça yo et puis Banjo de yo. Puisque moi Caroline retourner n'a pas si Caroline gen bouche connait. Allô Caroline. Allô Fizeme. M'entendez bien connait. Alors dis-moi Caroline, qui premier obstacle que t'es gagné lors ta planche dans entreprise ou même? En fait, et premier obstacle, moi, c'était vraiment une question de validation et c'est pas une question de capital ou autre. Validation, pour qui ça? Parce que, en général, là, nous faisons commencer notre business, nous toujours chercher validation. Reste monde qui habite dans ce type de bagaille. Et que nous-mêmes, là, dans ce secteur-là, nous toujours pensons justement que nous avons besoin que le monde soit validé nous pour nous continuer ou bien pour nous lancer nous dans un secteur quelconque. Parce que nous n'avons pas confiance déjà ou bien nous pas entrer dans un groupe, nous avons un bon petit clan. Pour nous arriver. Et ça, c'était le premier problème, moi, bien sûr, qui vient résoudre après. Parce que je viens de confiance dans ce que je fais et que je viens de rendre compte que c'est ça, que qui ça talent, c'est ça qui que je viens de sauter avant de faire. Et que la question de validation, je résoudre, bien sûr, je dépends quelques années, en 2-3 ans pour me résoudre. Mais c'était vraiment obstacle pendant quelques années pour me comprendre justement que ça me vient de faire et l'im vient de faire. Mm-hmm. Et parce que je n'ai pas vraiment problème capital. Surtout le secteur de Zana, son secteur, l'orgue tout réseau social, l'orgue toute et communauté ça qui ouvert devant, c'est un bel bagage. Et je me toujours dit que je suis une chanceuse que moi-même, je fais business dans un moment, dans une période, côté justement réseau social là pouvait être li, ou un monde global, ou une communauté qui est extraordinaire et que vous arrivez n'importe côté. Le contexte de mondialisation, bien sûr. Ça veut dire le monde à portée de vous parce que gen a fait médias sociaux yo. N'a pas retourné à oui c'est ça. N'a pas retourné à Uriel qu'on y est parce que Uriel des petits problèmes sont tout. Salut Uriel. Hello. Voilà, donc connaissez bon. Uriel dis-nous ou même l'autre après lanceau dans business. Qui première difficulté t'es rencontré au moment qu'on prend disposition pour lanceau en entreprise? J'aimerais te dire nous tout à l'heure première difficulté que vous avez rencontré c'est dans le moment que au fin nous déposer là où est tout son envie fait l'op garder tout son bras fait tout son voulait fait résultat ou voulait atteindre et bien sûr le coup besoin capital et capital ça des fois mes étudiants et capital ça c'est qui côté pour la jeune donc par rapport avec ça ou aller côté parents et mal les côtés femmes solliciter des amis donc c'est là nous parlons important dans ce réseau-là, pour solliciter mini famille, etc., pour capable mettre l'idée moins gagnée, mais qui ça nous capable de faire. Mettre à l'idée moins gagnée, venir ensemble avec moi, et puis pour nous travailler. Donc, au début, c'était comme ça. Au début, nous étions toujours qu'on allait vers amis, vers famille, tout ça. Et ma patente que mon travail pour capable d'utiliser le capital, ça, pour moi, plus dans le business. Moi. Parce que, à l'époque, l'homme même l'aime t'as commencé dans business deuxième année université pas vraiment compte grand chose dans plan d'affaires bon ça est ton problème tout problème de connaissance ça vient faire prend pile frappe dans première entreprise mais qui c'est artisan femme et côté que manque expérience ou pas gagne trois points et sous question et puis ou apprendre c'est chaque leur fille font bagaille ou elle well, marche et laisse on va le changer ou pas le corriger. Et là, il y a le goût poser question, est-ce que tu as un mentor qui t'aide lors de devant difficulté ça yo? Mais après le retourner sur question ça, bon retourner avec premier invité maintenant, Gino Prophète. Qu'on est dit ou même ou c'est une entreprise atypique dans le sens que ou pas de besoin passer par étape, faire étude de marché, faire plan affaire ou puisque ou t'es les gars t'es gagné là yon plateforme monsieur Banjo qui dit bon yo prend ido là n'est-ce pas à cœur en puis yo aide ou n'est-ce pas lancer ou bon maintenant puisque tu es déjà un espace qui offre ou n'est-ce pas aide li pour qu'on capable lancer une entreprise depuis combien d'années entreprise ça a lancé est-ce qu'on capable dire nous maintenant que lancer qui problème que nous rencontrer depuis que lancer si ça a bien marché tout tant mieux dis-nous. Ok, en fait, depuis vraiment que nous faisons partenariat, parce que là, on va tout toucher pour un partenariat,
avec mon cap lancé une entreprise, c'est pas peut-être moins une idée d'entreprise, moins qu'un bel coup contre moins, moins pas appeler peut-être tout le monde voler lui et puis je sais à ce que mon bien fait mon bataille me fait toute balle moins contre moins pour qu'il a ouvert un partenariat. Et depuis que nous faisons partenariat ça, bien sûr, nous développer une première version de plateforme là. Nous venons joindre un contrat côté que AUF a lancé un appel d'offres international. Qui ça qui AUF là? AUF, c'est Agence universitaire de la francophonie. D'accord. C'est-à-dire, c'est une institution qui est presque mondiale, qui n'a pas pile pays, et qui a lancé un appel d'offres pour COVID-19. C'est dans la période ça a été COVID. Donc, lui, nous, à travers l'interprétation que nous avons déjà qu'on a fait, c'est-à-dire que c'est modèle entreprise nous, nous appliquer et nous joindre accès à financement ça. C'est un financement de environ 25 000 euros. C'est que nous allons implémenter le projet Radio Cablan dans trois hôpitaux, dans trois départements différents. Question, une question pour Dino. Leur parle de imagerie médicale, c'est de grosses machines qui coûtent cher. Et on connaît, il y a un problème que l'hôpital en Haïti qu'on gagne, c'est que on dit à mon cher, telle machine pour faire radiographie tombe en panne. Telle machine pour faire mon nan faire une sonographie tombe en panne. Bon, là on parle d'un appel d'offres, d'un concours qu'on a gagné pour 25 000 euros. Dans notre temps, 25 000 euros par un pile cob pour capable rouler en entreprise en imagerie médicale. Qui l'autre cob ou te joigne qui permet que ou t'arrive mettre projet ça sur pied? Voilà. En fait, c'est ça justement que tu voulais profiter de parler de modèle plateforme là. Ou bien de leur bon service que l'organisme produit que vous mettez sur le marché. Modèle patron, c'est que nous ne pas acheter appareil radiographique qui vend cher, nous ne pas acheter appareil sonographie, mais nous seulement faciliter l'interaction faite entre l'hôpital déjà qui a appareil radiographique ça yo, avec des radiologues qui ont même bien loin, qui pas comme si pas sur place dans l'hôpital ça. OK, c'est... ma pour exemple concret. Bon, me retourne avec moun port de paix. OK. Grand moun port de paix qu'elle font radiographie dans l'hôpital port de paix. Oui. Qui aide entreprise ou a concrètement bay moun ça qui fait que ou répond à besoin. Il aide nous comprendre ça simplement. Eh bien, OK. Entreprise nous permet que moun ça joigne interprétation radiographie que t'as fait. Sans le pas monter Port-au-Prince. Sans le pas monter Port-au-Prince. Ça veut dire, quand elle fait radiographie à Port-de-Paix, moun qui fait radiographie à, li communique avec plateforme ou et plateforme ou mette en contact des radiologues qui interprètent radiographie à, et puis ouvrir résultat à bay moun nan sans que le pas déplacé. Parfait. C'est ça que nous faisons. Et c'est ça que nous, c'est comme si nous avons business, nous avons dit d'éducation et d'information. Nous n'avons pas acheté matériel radiographique, nous n'avons pas acheté matériel sonographie, nous faciliter l'hôpital qui a matériel ça déjà, et nous avons une bio connexion avec radiologue qui pour faire interprétation. Gros cause, là, c'est modèle business ça même. Par exemple, Uber, ils n'ont pas gagné machine. Nous pas acheter machine yo, peut-être l'intérêt est lancé, mais faciliter moun nan joine on ride, c'est-à-dire joine on libre. Et c'est modèle business ça que m'ta présenté, c'est ça qui fait que récemment moi fait une formation et dans modèle business platform, on rend compte que leur fait commencer ou pas grand pile cop ou capable faciliter interaction yo et aussi que on gagne en pile interaction on générer profit et au fur et à mesure souvler on faire notre investissement voilà ou ca retourner dans achat qu'on y a là si vous voulez mais faut que cité on capable dire network effect sous plateforme ou qui pour permettre que avancer au bon prototype et puis investisseur qui intéressé avec très bonne idée Jules Kennedy ou dit ou même l'on lance, premier frappe ou joindre, c'est que ou t'es besoin lancer ou nan affaire biogaz, transformer déchets et nous faire pile déchets de manière à ce que nous capables d'utiliser comme énergie pour nous capables
utiliser énergie ça en lieu et place de charbon de bois qui pas bon pour l'environnement. On dit là ou pas de gain corps ou t'obligé lancer dans l'autre bagaille. Donc l'on lancer dans deuxième bagaille ou ça veut dire ou transformer produits agricoles. En tout cas, on dit ou mettez des épices en poudre sur le marché. N'est-ce pas? Oui. C'est ça. Est-ce que bien songer ça au faire? OK. C'est ça. Maintenant qui quand on fait joindre moyen pour faire ça. Et le m'a lancé Agrigo. Mwen ka di bien avant que nous pensions avec ça nous pral fait et dès que tu gagne une équipe dès que tu gagne une équipe qui gagne trois monde moi même avec deux autres monde et nous qu'on a yon agronome avec un économiste d'accord donc nous pral faire business dès que tu gagne équipe là parce que nous t'ai commencé à acheter quelques produits ensemble sur Amazon les gagne deal nous vendre en Haïti ça et c'est ça dès qu'on a commencé faire entre nous donc, et puis gros oui gros décrivez taux d'échange a augmenté et puis nous ouais ça pas intéressant jeune dépenser hein et puis nous t'ai toujours gain team nan nous t'ai toujours gain team nan et puis nous dit non nous voulons entrer dans production et nous dit fond fond bagaille pendant n'a fait brainstorming n'a échangé idée gain une de l'autre monsieur qui c'est mon en haut cap rouge donc c'est communal cap rouge même j'avais même c'est un côté que fait gingembre en pile kounia. Et puis, bonjour, monsieur, vini sous groupe WhatsApp. Je dis, monsieur, bon, j'en ai pour faire pile gingembre. Et si nous transformer gingembre ça en poudre? Et nous dit, bon, mais t'es en pile idée qui a tombé en vent. Il n'a pas fait idée sur eux. Mais ça, tout le monde remet. Et puis, nous dit, bon, monsieur, nous allons lancer nous dans poudre gingembre. C'est ça, idée, première idée à dé. Et le ça, côté nous, j'ai un moyen pour nous lancer. Parce que le fait que nous, c'est nous trois, ça t'a aidé nous. Parce que nous, bon, moi, à peine pour finir l'université. C'était en 2019. Dès à peine fini à étudier, donc beaucoup de travail, beaucoup gain expérience tout et nous trois nous mettions ensemble nous faisons une petite somme que nous utilisons pour nous commencer à acheter matériel sans que nous pouvons commencer à faire produire. M'oublier que nous t'ai acheté une balance, un sealer, un petit bagage qui a coûté sachet parce que nous mettions un produit dans des sachets qui fait un craft. Et puis nous t'achetons un petit pulvérisateur électrique. Nous achetons trois bagages, ça on est au côté. Et puis nous continuons à avancer, nous travaillons sur l'idée. Mais ça prend plusieurs mois avant de nous lancer en fait. Donc nous achetons trois bagages, soit en mai 2019 ou juin 2019. Nous faisons première sachet Agrigo en novembre 2019. Nous lançons officiellement en décembre 2019. Donc bagage que moi-même m'étudier l'école et que m'a enseigné tout en management à savoir pour capable faire yon étude de marché suivi d'un plan d'affaires etc ou même ou pas n'importe ça du tout ça veut dire que nous commençons à acheter ti le nom pour nous sceller sac nous n'achetons pull comment on dit ça un pulvérisateur c'est ça pour transformer produit en poudre en body nous ou prêt à lancer c'est ça oui nous t'ai fait regarde nous t'ai fait étude de marché mais nous avons fait étude de marché avant nous acheter premier bagage ça parce que me dépasser non formation en été 2019 me pensais qui vraiment changer façon moi entrepreneuriat là j'étais enseigné moi lean startup méthodologie lean startup pour lancer business avec un customer discovery pour essayer comprendre aspiration clientèle donc après formation pour lancer Agrigo et après formation me prend plaisir dans faire ça dans prendre feedback monde dans parler monde de idée me défendre sorte de étude de marché même pas écrire un plan d'affaires pas écrire un long plan d'affaires me bien écrire plan d'affaires les m'a participer dans concours qui devant. OK. Au fait, ou gain tout à fait justifié pour faire business j'on fait là parce que y en a bagaille qui est important en business, yo dit c'est intuition. Gain moun qui intuitivement lancé yo, ça marche. Donc ou t'écoute intuition, ou t'écoute cœur, puis voilà que ou en business. Est-ce que micro Karline bon là, me senti que Karline voulait parler d'autant que Karline a quitté nous dans 5 minutes. Karline, dis-nous ou même ou dit que yon nan premier obstacle que t'ai gagné c'était valider ça veut dire t'as besoin moun pour qui dou sans penser à bon sans penser à pas bon qui moun qui t'a aidé à valider ta première intuition entrepreneuriale non fait personne en fait pas de gagné moun qui t'a validé du tout justement c'était problème parce que le fait qu'on cherche validation le fait qu'on cherche validation li ka voyou non fol ka pas réussi du tout. Parce que validation moun en fait pas toujours c'est bon bagala nan moment. Parce que un pile fois ça quoi faire c'est pas à tout moun yo nan moment. Avait dit yo ka di ou que non parce que m'té un jeune moun nan moment qui finit étudier gestion des plus et moins d'entreprise nan université Kiskeya, fin en marketing. Et puis m'té nan boîte l'état et m'té gon avenir prometteur et puis kounya les moins
Oui, non, le ministère du tourisme, puis les montres dans l'artisanat, et puis un peu le monde a dit, vous comprenez, et c'était ça le truc. Et puis moi-même, c'était ça que dans la tête, moi, parce que moi-même, tout le monde, ça m'a fait qu'on y a, c'est pas limité toujours, c'est pas limité toujours envie de faire dans la vie. Vous savez, pas même aspiration pour ça, pas même désir pour ça, pas même cœur pour ça. C'est du jour au lendemain, on est déclic, c'est ça, où est l'intuition, toujours, sur le palais, hein. Ou suivre l'intuition, et puis, ou faire lire, et puis ça marche, c'est ça qui vient avec tout. Et peut-être que toute la vie, et c'était ça que tes talents pour me découvrir, c'est que ça pour me découvrir tout. Et tu suis venu, moi, et me sens mon tout, moi, tendais intuition. Je suis vraiment attaché à l'intuition. Et puis, moi, pour moi, intuition, son message pour jouer. Et puis, c'était intuition dans un moment, et puis, on émission, on déclic, et puis, me lever, et puis, laisser ça, tête, moi, chaud. Faut moi, faire artisanat. Et artisanat, c'est pas même pour me faire bijoux, c'était au bon atelier de création. Et 9 ans de cela, ou qu'on idée comme si, ou il faut go éléphant, ou il faut acheter go éléphant, et puis finalement, son tisoir, son vin dans mon, c'est acteur avec café doré. Et à l'époque, il faut go éléphant, vous comprenez? Il faut go éléphant, go bagay, go atole, kap fait tout bagay, et puis moi fini réaliser ça, que finalement, moi fini par gagner un petit pince dans le salon avec quelques boules. Parce que finalement, c'est création bijou dans le moment que je me suis supposé faire. Et puis, pour me découvrir talent. Donc, je me suis chemin. Hein? Et 9 ans de cela, c'est qu'on a réussi à gagner un atelier. Un atelier qui vraiment paré pour créer tout le bagage. Autant dire que là, c'est en entreprise, ou pas toujours suivre en ligne droite, il y a des détours, mais il faut des détours un jour. Absolument. Jamais linéaire. Absolument. Il n'y a pas jamais linéaire. Absolument. Hein? Il n'y a pas jamais en ligne droite. Là. On a cherché. On a cherché Uriel, non? Uriel. Côté Uriel. Voilà. Allô, hello. Uriel? Oui. Allô, Uriel, rapprochez-vous de caméra ou même vous dit que l'organe ou quantité l'agence ça après le prendre, vous dit oui, côté moi le joindre l'agence ça. Comment t'arrives à résoudre le problème l'agence à Uriel? L'on paye aussi dur, ou son jeune femme, etc. Comment t'arrives à résoudre le problème l'agence à? Bon, je pense que y a une qualité que moi gagné et que moi j'ai un peu mon côté m'apprécier, c'est que moi j'ai un peu de passion. Moi j'ai un peu de passion et des fois moi veux un bagage vraiment passionné et là m'a expliqué pour lui ou plus moi c'est que c'est pas ou tu as voulu comprendre pas business m'a fait c'est son son show. Donc, voilà. Donc moi parler avec encouragement, moi j'ai invité ma famille là-dedans, moi invité et amis là-dedans pour yo capable en façon pour yo capable aider moi bien investir là-dedans et puis des projets avec lui et pas même investir seulement non ensemble avec mes associés donc comme partenaire voilà comme venir et associé donc tout business mais pas entreprise individuelle actuellement là artisan pas individuel mais toute entreprise mais c'est des sociétés en nom collectif que oui parce que toujours chercher leur monde capable de partager passion ensemble avec moi, qui a même objectif ensemble avec moi, pour yo investir dans le projet ensemble avec moi. Donc, moi, et yo, bon, bien heureusement, pour le support, au début, vraiment, vraiment, en pile support, espace, pas de problème, espace, pas de problème, et moyen pour moi, comment c'est fait, pour moi créer et bijoux, et moi, pas de problème tout. Par rapport combien ça pour nous pendant m'a dit moi joindre en plus support là c'est pas comme si support là t'es grand que t'es capable payer ressources humaines et tout parce que même moi dans le domaine artisanal au début c'est tant qu'on a dans on va prendre donc moi pas de toute compétence assez pour moi être capable faire toute qualité bijoux que me devrais donc moi obligé à chercher l'autre monde qui a compétence là pour me faire entrer comme associé dans l'entreprise de façon à ce que et de façon à ce que moi pas gain pour moi payer yo et mes d'œuvre là. Donc ça t'est proche l'autre du côté joindre coûte main hein? Ça pas signifie que ou t'es déjà pour les sur l'or mais on dit au moins ou t'es joindre quelque monde dans réseau ou qui t'es fort confiance mais au fur et à mesure qu'on va évoluer ou va pas prendre tout et ou va développer idée. Maintenant pour capable faire produit artisanal, qui ça s'apprend en termes de machine? En termes de machine?
Oui, en termes d'appareil, avec qui ça ou fait, par exemple, bijoux dans les oreilles ou là, yo, avec qui ça, yon moun fait, yo? Donc, bijoux qui nous... Bon, bon, pas les bijoux, d'abord. Exactement. Donc, bijoux ça qui nous aurait, c'est un bijou, c'est un genre de bijoux qui aurait les fait avec matériel de récupération. Les fait, c'est matériel recyclé. Voilà. Oui, donc, oui. C'est pour Mango. C'est pour Mango. Oui, oh, pour Mango. Voilà, qui séché. Mm-hmm. Et que vous prenez, vous poli. Ouh. Et vous faites peinture. Et vous mettez peinture sous. Aïe, aïe, aïe. Où est-ce que vous dites ça? Pour Mango. Zano ça, qu'on va montrer nous là, c'est pour Mango. Mon nom capta dit, c'est pour Mango qui te séché. L'offre qui te séché, qui s'en fait avec lui? Nous poli, lui. Nous poli. Uh-huh. Et puis, on mettait peinture sur lui pour faire. Voilà. On mettait peinture. Oh, et puis, on mettait. Là. Tiens, ouais, ok. Nous, vraiment, ça veut dire pour moi, ça veut dire pour moi, on a acheté un gargote en Chine, là. Ça veut dire que c'est en Haïti, on fait ça, là. Oui, ça. Extraordinaire. Même fait en Haïti. Uh-huh. Pour rien du tout, en pile de matériel que nous utilisons pour nous faire artisanat ici, même si ouais, il semble avec Haïti, mais. Importé, malheureusement. Oui. Mm-hmm. Et ça, c'est pour moi qui importé son produit local. Oui, son produit mm-hmm. local. Pour Mango, l'offre de manger Mango, ou j'étais grand Mango, donc je prends deux bons Mango, hein, et au fond de nid, voilà. Oui, je prends deux bois. Deux bons Mango. Et au fond de nid, je polis, et puis je fais petit ensemble avec lui. Allons, peuple intelligent, ça, papa. Ça veut dire, même avec Mango, que mon jeté a, nous arrivons à faire un bagage artisanal. Félicitations. Docteur Gino, faut-il tourner pour nous, hein? Aïe, aïe, aïe. Allons, peuple intelligent. Ou même, est-ce qu'on a un modèle d'entrepreneur dans la famille ou Gino? Ou bien, quand les bagages sont sortis, m'imagine papa ou maman, parent qui finit faire effort pour vous dans l'école de médecine, puis ou fini médecine et puis. Yo tout a pas tant de rentrer dans clinique ou bien on cherche un job dans l'hôpital ou dit non c'est lancer ma plan c'est mon affaire. Est-ce que tu as un modèle entrepreneur dans famille ou me passe peut-être c'est première fois m'a dit ça en public et c'est pas bagarre qui dit en pile. Me capable dire me passe c'est premier monde dans famille moi qui médecin. C'est peut-être premier médecin que famille prophète pour capable dire gain sous plusieurs générations. Plusieurs générations. Et je pense tout, le monde qui était modèle PAM, qui était un entrepreneur, c'est ta maman. Parce que lui-même, il était auxiliaire infirmière, il était non politique, il était madame Sarah, et le monde tout était qu'on a rassemblé le monde dans l'église, etc., à prier, chercher le monde, à parler avec le monde. Je pense que si tu as un modèle dans la famille, tu es entrepreneur, c'est ta maman. Mais malheureusement, et moi perdu mon maman dans la deuxième année de faculté de médecine. Et dommage. Une histoire encore, côté que mon prince et maman qui était là, etc., qui t'a pas moins tout bourrette que tout support. Moi perdu dans la deuxième année de médecine, et de là, étant que depuis la deuxième année de médecine, je suis capable de dire moins. C'est où qu'on a dégagé avec tête ou? Et c'est moins qu'on a fait toute l'autre démarche qui est capable de gagner, comme si pour me capable d'arriver là. Et comme ouais, l'autre panel ici, on a parlé de l'autre business que vous avez fait, bon profite de dire tout que moi-même, business que vous avez fait, c'était à l'acheter chemise, à l'acheter pantalon dans la guérite là, la ville, laisse ça dire bon la ville là, et puis vous venez rejoindre dans la faculté là, avec et l'autre étudiant. Ça veut dire pendant qu'on à l'école de médecine, ou descend en bas la ville, ou à l'acheter rad, et puis vous venez vendre. Dans la faculté. Camarade de classe ou yo, dans l'école de médecine. Dans l'école de médecine, oui. C'est-à-dire, toute belle chemise que tu es capable de briller là, parce que je connais un peu le cap de l'émission. Toute belle chemise que tu es capable de besoin, connaissez moi-même. Je suis capable d'acheter chemise là, moi je vends yo, et puis yo même y a payé ma prêt. Donc, c'est sous fin année, je ne sais pas qui moi même connais que. Map jouen comme ça et puis après ça m'ka ou fait achat ça. Wapouli. Donc, m'pense que peut-être c'est impressionnant.
Pour moi, on a vraiment question modèle monde qui est entrepreneur dans la famille, c'est maman. C'est maman, c'est maman. Vous avez des petits commerçants. OK. Maintenant, bon râler lundi, bon râler Jules Kennedy. Jules, ou même ou dit, ou acheter pulvérisateur ou acheter tissu, le ou si le, pour moi, comprendre, c'est une machine qui permet que vous capable sceller yon ti sachet puisqu'on ap vann produit en poudre. OK. Avec qui kob nous fait ça? Avec kob personnel en nous? Trois premiers bagages sa yo, c'est trois premiers matériels sa yo. C'était et ça trois associés yo t'es capable t'es arrivé mettre ensemble. Gen yon nan on seul nan nous quatre travail à l'époque qui parmi nous trois lancé entreprise. Mais nous trois ça que nous maximum que nous t'ai mettre c'est ça seulement t'ai faire c'est acheter pulvérisateur acheter sileur et puis acheter acheter et balance on balance pour que nous peser et dans période de transformer première cuvette de gingembre là c'est on apport encore une cotisation encore nous obligé faire pour nous acheter première cuvette de gingembre là et c'est comme première cuvette de gingembre ça seulement OK si c'est moi même qui pense acheter Ya, yeah, c'est comme ça seulement de gagner. Comme sachet, nous t'ai acheté, nous sommes nous achetons, nous commençons à 1000 sachets acheter et nous acheter plus et on cuvette de gingembre, nous avons l'autre comme encore pour nous, comme fond de roulement, si nous besoin, etc. Est-ce que j'en dis à ou vivre de ça? Comme agronome? Non, moi pas vivre, moi pourquoi vivre de ça complètement? Donc, c'est une bagaille que c'est un objectif nous et c'est une bagaille que je peux partager avec tout jeune qui a suivi chose ça. Et faire business en Haïti et commencer avec un capital qui est très petit. Donc ça implique une bagaille ça implique une nécessité pour que entrepreneur là très patient parce que ça qui arrive là commencer avec un niveau capital qui petit en pile ou aller dans une logique côté que profit ou pour plus fort profit pour réinvestir parce que ou gain ambition ou ambitieux comme si business quoi mener kounya c'est pas li ou vle c'est pas l'ouvli camper c'est pas l'ouvli l'entrée dans ça le côté produit parce que le matériel ça ouvli ouais donc on va dans une logique côté qu'on va réinvestir puis faut ça rentrer et réinvestir puis faut ça rentrer mander pour que ou même en tant qu'entrepreneur pour capable gain patience pour tendre plus temps avant commencer vivre complètement de business donc, pas patience ouais, trop patience patience. Pas faire commencer petit et puis soit patient et puis assure que à chaque mois passé chaque année passé gain au moins un pack fait. Caroline, bon râler Caroline encore. Ou dans marketing ou dans mode ou dans rad ou dans artisanat. Bon mon exemple de bagaille créole que nous fait avec produit la caille. Bon mon exemple ça Caroline. Et m'pa fin trop et comprendre question bon exemple de ou bagay que nous faire produit la caille. Oui, par exemple même... ma pour exemple concret. M'sot gen la Uriel qui dit nous des bien well, yeah. Yo prend mangue, yo prend graine mangue nan, yo kite le sécher, yo poli, yo prend de boyo, yo peinturel zano ti chéri. Est-ce qu'on ka ban mon exemple comme ça? Exemple concret que nous avons, c'est et de bagay produit la caille que nous avons toujours fait, c'est pokokoye ou bien kalbas. Ça et pokokoye ou bien kalbas là, pour kalbas par exemple, un peu moins pas connu. Bon, soit disant que under kalbas ça se vit comme médicament, mais c'est pas domaine pas connu. Mais pour kalbas là, c'est séché et puis on fait bol avec, on fait lop avec, ou bien on fait bijoux avec, on fait pile belle bagay avec. Même genre avec pokokoye, l'homme fin servi en kokoye. Ou casser cocoya ou pas jeter pour cocoya ou polir ou faire collier avec ou faire bijou avec bien sûr même j'ai avec peau mango à tout que Muriel séché que et Mouna séché et que li fait aux anneaux avec super intéressant c'est recyclage tout ça et ceci n'est pas typiquement haïtien c'est partout dans le monde qu'on le fait aussi comprenez vous semblez pas comprendre maintenant quand on parle de façon autre maintenant ce qui signifie que là nous prenons par exemple depuis le bagage que haïtien nous supposait qu'à réformater tout en même temps n'a fait fashion n'a fait mode faut que nous pas arrêter dans pile bagage que n'a continuer faire 10 ans de cela parce que le marché est saturé aussi marché à pral saturé ou bien marché à petit avait dit que l'important que nous accepter des bagages qui nouveau on va appeler upcycle ça veut dire que c'est des recyclages qu'on fait mais à un grand niveau
Avec son bagage propre pour recycler et que au fond bagage de valeur ensemble avec. Bagage de valeur pour qui ça? Parce que même je vais recycler plastique ou faire obstacle avec plastique, il n'est pas supposé un bagage que vous venez utiliser, par exemple, vous faire bijou avec et puis pour vendre 50 gouttes, même ça, ça les fast fashion, et puis qu'on y a pour la retourner dans l'environnement pour les dangers, pour les dangers pour l'environnement encore. Avait dit, c'est même moi, je fais upcycle, même, même pendant ce temps que je fais fashion. Avait dit que je fais upcycle, je recycle les bois, je recycle tout le bagage qui est intéressant, tant que cuivre, tant que bronze, tant que tout le bagage qui est ancien, je recycle dans toute ville de province qui a recyclé les bagages. Ça a eu pour moi, je recycle et palettes, bois. Pour moi, faire zone locale dans les moyens, parce que je trouve que l'environnement est assez dommage, surtout en Haïti, que nous avons une grande population qui n'est pas éduquée du tout sur ça. Il est important que nous fassions upcycle au lieu que nous juste faire des travaux et faire artisanat, juste artisanat pour artisanat. Nous avons assez de problèmes déjà dans le pays pour nous créer, juste pour créer, nous supposer créer avec conscience. Vous comprenez? Mais nous avons une question qui est super haïtienne. Oui, c'est ça. Bah qui est super haïtien, c'est Carabella. Maintenant, Carabella n'est pas super haïtien, tout, parce que Carabella est partout, surtout que plus fort toile, tissu Carabella que nous avons en Haïti, c'est importé ou importé. Avait dit que il n'est pas totalement haïtien. Avait dit que même si on a fait fashion après nous artisanat, et nous dit qu'on a fait importation, tout, plus fort bagage qu'on a fait artisanat, nous obligés d'importer. Pour qui ça? Parce que nous n'avons pas rien qu'à créer en Haïti. Nous n'avons rien qu'à créer pour qui ça? Pense à la structure, il n'y a pas de politique publique pour ça. Avait dit que tout est importé. Tout est importé. Et où que m'gen dans oreille menace bagay qui entre dans oreille là c'est importer l'importer si bagay qui pour faire nous en belle à part bois c'est importer l'importer pour ça parce qu'il y a pas de politique publique en Haïti, il y a pas de structure, c'est normal, mais nous pas le blâmer pas normal, non? Ça il pas normal ouais, il pas normal mais il faut qu'il y a des gens qui réfléchissent là-dessus. Mais maintenant, si artisan conscient de ça, là il est possible maintenant pour restructurer prendre tête les conscients de structure là. On comprend, c'est pas juste que vous créez, faut que vous créez tout pour le secteur qu'on a pris là, là pour bon bagage qui est sérieux qui fait là. Parce que la bon pour et la bon pour l'autre, c'est ça qui a vini, qui a envie de créer tout. Ça, c'est bon cause aujourd'hui là. N'a pas une pause qu'on y a, l'homme tourne dans la pause là, n'a pas réfléchi sous. Waouh! Qui aide nous te joindre de la part de dirigeants publics, de l'État, en termes de fiscalité? M'a demandé nous, est-ce que nous payons impôts? Qui taux impôts nous payons? Et est-ce que nous créons un job? Qui quantité moun kap travay pour nous? Parce que c'est comme ça moun distribue richesse. Nous créé richesse là, nous paye impôt moins pour l'État capable offrir service et ensuite tout me distribue dans le sens que nous bay moun job. N'a pas une pause, après pause, n'a tourne. Mbote, Nangadef, comment nous y est la famille? Où trouver les livres du docteur Fils-Aimé? Très simple. Sur son site internet au www.jeanfilsaime.com ou sur Amazon, amazon.com, amazon.ca. Vous pouvez aussi nous écrire directement par email ou par Facebook. Dans tous les cas, c'est plus de 13 ouvrages sur diverses thématiques qui vous attendent. Un beau cadeau à se faire ou à offrir à nos proches. On est ensemble! Nous retournons, qu'on a nous gagné tous les quatre panélistes ensemble. Ma place est question ça. Dans n'importe pays, l'homme on a pas lancé entreprise, faut le jeter un coup d'œil sur environnement immédiat. Ça veut dire pays. Faut le garder qui incitatif pays côté la planse business nan bay li. Par exemple, dans n'importe pays, Canada côté ma vie, ou bien Québec, province côté ma vie là, l'on moun a planse ou en entreprise, eh bien, gon seri de loi fiscale qui facilite moun nan lance l'en entreprise, parce que l'État gen intérêt à ce que moun lance ou en entreprise, parce que cette entreprise yo kapal créer job. Et l'État gagne avantage tout que moun lance en entreprise parce que plus gagne entreprise, plus moun ap ka paye impôt et plus l'État ap ka offri service. Sous papier, qui avantage l'État bay nou? M'ap commence avec ou même Gino ou lanso nan yon secteur de pointe, imagerie médicale. Tout pays besoin imagerie médicale, c'est vers ça qu'on s'en va. Voilà que ou lance ou nan
nan imagerie médicale. Ki avantage fiskal, ki avantage infrastrukturel ke l'Etat haïtien te bay? M'ap commence avec ou Dino. Wow, m'kapab di ke deja, model entreprise ke nou genyen, peut-être deja mèm net ke n'ap enregistré, nou pat genyen yon klasifikasyon kote ke yo te kapab mete RadioCam kom yon start-up, kom yon entreprise teknologik. Donc l'ité déjà difficile dès le départ. Pour nous mettre nos cases. Pour te mettre nos cases. Et deuxièmement, papa dit que pas gagner et peut-être des intensifs que vous êtes capable de nous ou pas. Mais dans la période que nous avons lancé, l'ité difficile pour nous déjà, pour démarche que nous avons fait, pour nous aller chercher, non, déposer non dans le ministère. Commerce, etc., il mettait déposer l'aide pour retourner encore. Je ne suis pas sûr que tu aies une démarche qui était plus accessible pour nous-mêmes, pour peut-être l'entreprise est capable de créer dans 2 ou 3 jours. Oui, parce que c'est ça, il dit. Il dit 8 is open for business. Jovenel, tu as dit ça. Martel, tu as dit. Laurent Lamotte, tu as dit. Donc, en un temps record, en une semaine, il dit en théorie, tu as supposé qu'à ouvrir business ou gain tout papier, etc. Li te vraiment difficile pour nous. Par contre, konnen si peut-être gen nan l'autre entreprise ki l'autre panelis yo, si yo te gen access à te joindre entreprise non business yo, yo te déposé yo gen tan ouvrir nan moins d'une semaine, mais pour nous-mêmes, li te vraiment difficile que comme si même non pour nous déposer etc., pour te gen arriver. Et en plus, l'étape essayer passer de sortir d'une entreprise individuelle pour nous passer dans société anonyme. Li prend temps encore et li prend pile temps pour démarcher à faire et même nous pas des intensifs n'est capable dire que l'état bon. Combien de temps comme ça le déprend? Combien de temps le déprend comme ça pour mon cap coûter? Faut le bon idée réelle de combien de temps ça prend? Ça presque passé dans processus qui t'a calé dans 1 an. Oh là là, ouais, presque passé dans processus de mais, un et puis maintenant et est-ce que entre temps combien comme ça coûte juste pour enregistrer au conseil au niveau de l'État? Est-ce qu'on est obligé de payer, graisser Patmoun, Baïti Kobamba? Moi-même, personnellement, bon, c'est une démarche qui était extrêmement difficile. Et ça que nous avons fait, grâce à un partenariat que nous avons avec Manjetou, nous avons une entreprise qui lui-même était chargée de faire légalisation RadioCam pour nous-mêmes. Mm-hmm. Et pensez que grand pile entrepreneur, grand pile entreprise, qui oblige outsourcing capable de prendre service là dans mon autre entreprise yo même qui spécialisé dans faire des légalisations comme ça. Mais pas connait si on capable peut-être bail prix combien ça t'a coûté pour moi, mais je pense que c'est une entreprise qui t'a fait le moins cher pour nous. Capable tout dire GBI, merci pour support ça que l'été ban nous dans processus pour légalisation RadioCam. Donc vous dit dans cas pas où seulement pour te légaliser entreprise là ça prend 52 semaines. 12 mois, ce qui est énorme. Bamra les Uriel, non? Uriel. L'on moun lance une entreprise dans n'importe pays, avant lancer une entreprise, ou gade politique fiscale yo. Ou gade, est-ce que l'État pral bon avantage? Est-ce qu'on pral payer plus impôts avant qu'après? Est-ce que l'État encourage jeune lancer une entreprise? Ou même, qui avantage l'État ba ou? Est-ce qu'on te garde des bagages ça yo qui obstacle t'es rencontré qui avantage ou t'es joindre l'autre plan sur l'entreprise là? Mais oui, moi t'es prend le temps pour moi t'es garde yo et ceci dans chaque entreprise que m'a lancé et pour attirer pas d'abord nous t'es garde comment t'es enregistré tant qu'on entreprise sociale le nom n'est pas possible nous allons enregistrer en tant qu'entreprise et individuelle ministère commerce là et jusque là pas de trop grandes difficultés, mais les difficultés c'est là où qu'elle arrive la question formaliser et on parle la question pour un formel pour bali matricule fiscale, donc pour bali patente pour capable fonctionner parce que enregistrer dans le ministère là c'est une, mais capable fonctionner avec patente et puis matricule fiscale c'est un autre. Et c'est là le problème est. Et nous rencontrer problème là que ce soit avec restaurant principal problème moi ensemble avec restaurant c'était l'État parce que restaurant c'était un restaurant mobile et
yo pa ganyen ki defini pou restoran mobil. Donc yo di, yo di m fè mèl. Ça veut dire oui, yo di m fè mèl la. Ça veut dire que yo pa antre nan kaj. OK. Réponds-moi. Nou sonje que Monsieur PHTK yo te ganyen l'idée, son idée brillante. Yo souvent gen idée brillante, oui, mais c'est dans res ba yo gagote. Gon bagay yo rele guichet unique. Par exemple, au Québec côté m'ap viv, le m'ap lanse en entreprise, m'pa besoin fè 15,000 places. Me rentrer sur un seul site. Et c'est non seul site me rentrer, me remplir formulaire yo qui un site internet, m'pa besoin aller physiquement là, ça veut dire monter sur registraire des entreprises du Québec par exemple, sur registraire des entreprises du Québec, m'entrer toute information que me besoin et c'est même registraire des entreprises du Québec là qui occupait deux bagages yo. Bon, yo t'ai parlé de yon guichet unique. En Haïti, ça veut dire rentrer yon seul côté, one stop stop là on fait tout bagay. Ou pas de ça? Non 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 non. Pour faire certificat, c'est le ministère là, deux ministères là, DRH, on pivote pour les paiements c'est dans DRH on va le faire qui chita dans DGI. DGI donc République d'Haïti. Voilà. Yo consulter ça qui dans DGI donc c'est là pour acheter quelque temps. Après ça pour retourner dans le ministère et puis là au bon certificat ça pour faire des démarches dans l'autre DGI ça lui même c'est DGI qui dans commune pour faire des démarches là-dedans puis capable bon pas et là on va souligner par rapport avec première question que tu as posée hein, moi songe que les moi pas enregistrer artisan pam et puis yo m'a demandé quoi me dit mais non c'est pas moi connais que artisan exonéré de taxes là pour faire du patente. Je dis ça, chérie, est-ce que papier lié? Je dis, mais est-ce que papier lié? Ben, il n'y a pas comme ça. Donc, pour une prise formelle en Haïti, c'est vraiment un casse-tête. Et pourquoi bien demander ou pour une micro-entreprise, une petite entreprise qui a pris pour grandir, qui m'a dit un peu investissement au niveau marketing, au niveau ressources humaines, au niveau matériel, pourquoi pas lever tout comme ça? Pour ben, enregistrement seulement. Ou t'as vraiment préféré investir dans ça et qui a bon résultat. Et un monde qui m'a donné un lien et ça c'est important oui c'est là n'a pas le fini émission c'est avec ça parce que c'est le but aussi c'est encourager nous un monde qui m'a donné lien nous lien internet nous si on envie aider parce que le but là nous pas combien monde par la suite pour l'écouter un monde qui t'a intéressé investi qui t'a remis bah nous coûte mais avant mal joindre Candy après combien de temps où t'arrivé formaliser toute bagaille ça yo pour une entreprise correcte du point de vue de la loi et Gino t'a dit lui même ça prend 12 mois 52 semaines ou même combien de temps ça t'est prend formaliser, me dit tout bagay, certificat, et pas tout? Tout bagay, oui. Donc, jusqu'à présent, nous avons processus là et il dit. Et, monsieur l'État, il y a un rendu tellement difficile. Il y a un rendu tellement difficile. Vous passez pour un raqueteur, vraiment? Oui. Ou papier, ou papier arrivé, la fête en dedans. Sauf dans le ministère du commerce, il est facile. Pour moi, il est facile dans le ministère du commerce. Répétez-moi ça. Ça veut dire pour arriver dans des gens. Pour arriver à faire ça, il faut passer par un racketeur. Parce que si vous ne passez pas par un racketeur, ça ne va pas faire. Corruption. Non, non. Donc, actuellement, là, nous gagnons, moi, dans un programme avec Haïti Efficace, ensemble avec le projet CESANET, là. Entreprise CESANET, qui participe dans un programme ça. Donc, eux-mêmes, ils sont là pour accompagner nous, dans aider à formaliser l'entreprise jusqu'à. Gain un code bancaire qui est capable de vous présenter et un code bancaire pour l'entreprise. Donc, juste après, dans le processus là, il faut pourquoi. Pour tirer aller, Candy, non? Oh là là, c'est tellement touchant. Candy, je me lance la même question pour vous. Qui chance les tabacs ou dans sa affaire là? Ça veut dire qu'on va vendre épices en poudre. Et. D'abord, pour t'arriver à formaliser tout ça, est-ce que bagayo t'est facile pour vous? Bagayo pas facile. Moi, dans la même situation avec Uriel, côté que moi, entreprise, moi, enregistré dans le ministère du commerce, les moins difficile et dans la première étape, ça, côté que vous enregistré non commercial, là, ça veut dire aucune autre compagnie n'est pas capable de prendre non commercial, ça, pour au moins 10 ans. Moi, fait étape ça, il y a moins raquette là-dedans.
et l'était prend moins temps que Gino parce que quand capable là c'est en société en collectif et me connaît les plus difficile pour société anonyme yo. ça dépend moins environ 3 semaines et ça normalement ça dépend environ 3 semaines mais il y a une circonstance qui va dépendre de moi ou peut-être de yo de ministère là t'es fait que il prend plus que ça parce que moi j'étais enregistré en plein pays donc il faut me dire que on monde qui vit Jacmel ou bien n'importe l'autre côté dans pays là ou obligé d'entrer Port-au-Prince pour enregistrer dans le ministère du commerce parce que direction départementale n'a pas qu'à faire ça. Et c'est pas mais pas marcher sur internet. Est-ce que vous pas un site internet, vous pas un site web? Yo gen site pour lier information sur démarche là mais même pour regarder est-ce que non ça existait déjà? M'pa connais si ça existait même pas au courant, yo te fait me connaître que c'est Port-au-Prince pour regarder est-ce que non Agriguam ka prendre, est-ce que l'autre compagnie gagne. C'est non registre sur papier informatisé de non qui existait déjà. Non, yo pa gen. Ba konnen si yo gen kounya men an fin 2019, lèm t'ap enregistré nan ministère commerce, yo pa gen. Donc ça dépend en même temps ça et pour reste démarche là, Jean-Yuel, j'aime dans même situation avec Yuel côté que li en faut toujours parce que moi nan programme ça Yuel parler de lien et programme ça essayer accompagner entrepreneur pour fin légaliser et pour gagner un compte en banque et pas t'ap ka continuer fonctionner sans un compte en banque qui sous nom entreprise là. Et en forme dit que problème ça, barrière ça fait que nous non pays côté que l'État encourage entrepreneurs et été informel. C'est comme si l'État gagne tiré non entreprise formelle parce que l'État l'a besoin l'a gagne pour l'a besoin entreprise de cap payer impôt mais li ou gagne l'impression que yo encourage comme si yo rempli toutes conditions pour que entrepreneurs gagne plus intérêt même senti yo gagne plus intérêt même si c'est pas vrai pour que été informel. Bam rale Caroline. Allô Caroline. Oui. Voilà. Caroline, ou même, qui obstacle te joindre le moment arrivé pour te formaliser entreprise ou pour te gagner patente ou pour te gagner matricule fiscale ou etc. Est-ce que c'était facile pour vous? Ok. Au prix de ça, comme après, pendant le temps, mais juste de placer un mot, c'est ça que l'autre jeune a fait face à un moment. Parce que justement, dernier, je participe dans un forum que le ministère du Commerce a fait et par contre, ils mettent en ligne sur deux activités. Pas oublier que ces jours-ci, ou pas qu'il y ait pas tant ce qu'on paye par le ministère du Commerce. Là. Avait dit que yun pas marché sur l'autre. Avait dit que même si m'a comparé par le ministère du Commerce plus rapide que DGI, il est important pour gagner par le ministère du Commerce là avant. Pour qui ça parce que ou gè doit finir par tantôt et pas ka ouvre un compte bank et puis loi le bank là ou gè ta gon business qui ouvert sous même nom avec nan bank là et ça arrive plusieurs monde que me connaît qui a fait business et so li important moi même et pour et justement li important pour papier du ministère du commerce là c'est pour 10 ans là ça pas rien maintenant li important pour gagner l'avant et puis après pour nous aller DG. Même c'est ça et même bagala que m'te fait bien sûr t'es grand pile gagotte et yo commencé à essayer m'dit essayer de parenthèse de m'en commencer à y vraiment gérer ça parce que même son tellement remé clair avec tête moi bien en ordre pour pas en affaire avec l'état même les son l'état gagotte excusez-moi expression hein l'aim fait ca pour faire business moi m'te gain mal DGI votre comité pas ministère du commerce et puis c'est l'aim faire DGI que me réfléchir en business juste besoin légalement fonctionner. Et puis le business la classique des jours parce que c'est pas non ça que me gagne mais qui t'ai marche avec même comme tu besoin non et que me besoin fonctionner légalement tout pour n'importe qui m'a fait vous n'est pas bien même me défend pas tant au début et pas cacher dit moi pas jamais cacher dit jusqu'à présent et me sont vraiment bon mais pour système et pour système bon pour tout le monde mais moi j'ai recours à un monde qui fait papier pour moi son monde de moi vient en boîte l'état me tombe crier moi même parce que tellement gain injustice tellement gain bagarre qui a mal fait ou t'es arrivé dans boîte d'état vinn renouveler partie min bagarre juste garder sous forme figure et puis au monde taxe sans que pas mon papier cahier comptable n'importe bagarre so moi gain recours justement qui était plusieurs fois et m'pas perdu et me connaissait qui non mais faut me dire la vérité hein dit la vérité et me connaissait pas papier bon bagarre là ça c'est clair non c'est pas bon bagarre mais réalité pays c'est ça lié là hein pas qui monde qui besoin faire business dans pays hein il ca monter en ligne ni créer un business en un jour. Les camions à la DGI, les ont besoin font business. That's it. On prend des individuels. T'as pas supposé prendre un mois. Moi-même, les prends un mois pour y avoir mon patente. Et c'est passer pour raqueter. Passer par raqueter. Voilà. Et les mettez sous ça pour me payer taxes sur l'autre bagage.
son lot big deal. Regardez sous forme tête moi forme figure. Et gagne forme ça j'ai dernier mal fait taxe m'pa à l'échelle même pas mettre parfait. Parce que c'est ça seulement qui comptait pour mon yo dou que yo mandé 250 000 gouttes comme taxe. C'est pas même gagne cahier pas. Mais m'a lancé question ça ba l'autre mon yo. Et en plus COVID, en plus mon yo pas même tenu compte de ça. Nous non pays, mon yo pas tenu compte de COVID. Côté tout reste monde l'a tenu compte de COVID pour ti entreprise. Gino, Kalim donc taxe tout bagaille ou bien qui vient chercher moi. Qui taux d'imposition nous? OK? À qui taux yo imposer nous? Par exemple pour entreprise oua, qui pourcentage l'état vient chercher dans moi en termes d'impôt? OK, en fait, c'est l'année dernière nous fait lancement officiel. C'est nous peut-être idéal là depuis l'aime dans faculté dans radiologie hein et me capable dire officiellement radio quand me capable bien 4 ans, mais c'est l'année dernière côté que nous en lancé officiellement dans avec partenaire côté que me capable dire nous sous marché. Pour le moment nous gagner en compagnie ça que n'a travaillé avec lui pour capable évaluer pour nous voir comme si qui capable dire qui rentabilité que nous gagne et combien capable évaluer mais jusqu'à du contraire nous pas vraiment gain contact capable dire nous pas vraiment gain contact avec soit autorité peut-être c'est nous mêmes qui va le faire parce que l'on va renouveler patente nous va aller afficher ça mais là nous pas vraiment gain contact ça veut dire ou en train de dire que ou entreprise qu'on lancer malgré ou légaliser l'état pour que j'amdou a quitté la pral imposé ou pour venir chercher comme par là pour le bail service. Donc nous ouais pas l'état vrai parce que tout pays au monde c'est ça que fait tout pays du monde encourager moun lance entreprise parce que c'est là lance entreprise ou créer richesse que l'état pral vinn prend parti par là pour capable redistribuer en termes de service. Ou dit jusqu'à présent autorité au malgré légal, malgré formel, yo poko jam di à qui toi y'a pas imposé sous rentabilité sous revenu entreprise là. Ko baba. Est-ce que ou gen ministère commerce ou gen DGI ou gen ministère finance paquet tête matoui. Allez non, dis-moi non. Non, parce que déjà ça qui gagne dans modèle entreprise startup ça autour, c'est que ou capable lancer mais on peut faire profit. Et m'pa konnen peut-être si l'autre panéliste yo est capable peut-être témoigner de ça. Donc gagner peut-être gagner business model qu'on gagne c'est après 5 ans que on capable comme si ça crée les break even et puis on capable commencer faire profit là-dedans maintenant tout shit t'a parlé ça tout est capable faire avec l'état ou bien autorité ou mon thème que pour me capable dire bon voilà maintenant qui tranche maintenant qui période que nous y est voilà. Et puis ça il pas profitable pour entreprise là mais après 5 ans après 6 ans n'a pas courage très voilà, bien donc, maintenant bien, voilà et de là étant capable de commencer par les notes de position etc maintenant c'est ça on pense que tu es capable de supposer en fait voilà bam râler Kendi. C'est vrai que l'on moun lance une entreprise, ça prend un certain nombre d'années pour break even, ça prend un certain nombre d'années pour fin pon souffle, même j'en dans créole avant commencer rentable. Mais l'état qui sérieux tellement comme ça que yo dit si ou pas gagner rentabilité pendant tel nombre d'années, nous prête à ba ou yon exemption, nous prête à fait que ou pas payer impôt pendant tel nombre d'années jusqu'à ce qu'on atteigne tel niveau. Mais ça forme qu'on elle ou même comment on dégage là avec des GI en termes de fiscalité qui taux d'imposition là ou gagne là moi même situation avec Gino parce que ça qui arrive en Haïti et sous m'pa konnen si on fait ça pour l'autre entreprise mais en pile situation c'est ou même qui a joindre l'état leur obligé à joindre c'est ou même qui a joindre ou bien si ou même ou juste blé aller à tête ou Jean Caroline Didil ou aller dans DGI pour mettre devoir au propre. Mon papa j'en ai ça. Oui, c'est eux même qui peut aller. Donc moi actuellement là moi dans même situation avec Gino et monsieur dans même situation avec Uriel tout parce que moi dans même programme avec côté que nous jeune accompagnement technique pour faire ça et moi avec efficace exactement avec Edzer Emile. Donc nous moi dans même situation avec Uriel et Gino
côté que n'a fait évaluation ça pour que nous aller dans DGI pour nous gagner une patente qui est obligatoire pour ouvrir un compte en banque sur un business là. Parce qu'on a commencé sans un compte en banque sur un business là, on va commencer en affaire avec des partenaires qui pas veulent faire virement sous nom individu pendant qu'il a payé en entreprise, parce que pour gestion entreprise pas yo, pour administration entreprise pas yo, li pas bon. Gon moun ki mande, mais qui sa patente nan yé? Parce que gen moun qui vivent à l'étranger, qui pas nécessairement en Haïti. Patente nan, c'est quoi? C'est qui ça lié? C'est officialisation dont non son lettre qui dit, c'est l'état baou, dit qu'on capable fonctionner officiellement, c'est sa patente nan yé? Oui, c'est ça qui, papier gen qui dit qu'on capable fonctionner officiellement, plus pensé c'est certificat ministère commerce baou. Ministère commerce, dans la première étape, le ministère commerce baou, il y a un certificat qui dit ou ka utiliser non commercial ça pour entreprise ou pendant 10 ans renouvelable. Ça veut dire après 10 ans pour renouveler droit ça. Donc aucun monde pas gain droit faire ça. Patente là lui-même est différent, ministère commerce ou fait au niveau de l'état central. Patente là lui-même ou pour aller dans DGI dans département port là, dans commune port là côté entreprise là hier, ou pour aller dans DGI pour yo évaluer et quantité quoi vous devez payer par rapport à quantité que vous devez ou par rapport à quantité d'entrée, information qui pas suffisamment démocratisée selon moi-même. Et ensuite là on fait une évaluation ça pour dire que mais combien à impose au patente là, c'est un papier qui dit que ou en règle avec DGI et que vous demandez à pile côté ou pour légaliser business ou pour faire des bagages pour compte en banque. OK, là pas avancer sous nous, on gagne deux autres étapes nous d'armé. Ouais, m'a pral avec nous chaque et ensuite m'a pral dit yon moun k'ap koute nous là comment ka aider si l'envie aider si l'envie investir si l'envie do atteindre un autre niveau. Mais avant m'entrer dans étape ça, bon commencer poser Uriel question ça. Dans entreprise ou à Uriel, qui prochaine étape ou ta remet atteindre là? Est-ce que Uriel là? Oui, moi Uriel. Qui prochaine étape ou ta remet atteindre? M'a garder belles en nous pour enfin pour mango ça yo là c'est belle bagaille là. Alors Écosse mango a gen le connexion Uriel gon problème, m'a plan ça avec Caroline. Alors Caroline, OK, même problème et tout. OK, alors OK, voilà Caroline, qui prochaine étape dans entreprise ou yo là ou ta rien matin comme objectif? Moi-même, la prochaine étape, moi, là, j'ai peut-être dit au début de notre présentation, c'est que nous, et le café de Wagen devant, ça veut dire que c'est vraiment son étape que là, année ça, comme nous, t'es gars, pile, année passée, c'était COVID, nous, t'es obligé de petit slow down, l'objectif de notre projet, nous. Et puis, mettez sous ça, année ça, qu'on y a, nous, a vraiment essayé ouvert que nous, malgré problème paysan, faut que nous avancions, nous, pas qu'à dormir, messieurs, dames, faut que nous avancions. Et puis, et moi, dit que nous avons un projet socialisé à la Soleil, c'est la ligne, appelé la ligne à Soleil. Qui ça a appelé ça? Si on a besoin d'aider, il n'y a pas qu'à aider Kounia, mais qu'à aider à la langue, c'est support, c'est message, essayer de nous arriver plus loin. C'est pour qui ça, moi, projet ça a créé ma cœur, parce que moi, son petite qui fait que maman fait ma 16 ans. Ça veut dire que maman petite, petite fille qui est enceinte ou bien qui est petite sous bras, son bras est sensible pour moi. Et à la Soleil, c'est ça que lié. C'est petit fille qui des petite ou bien qui enceinte déjà qui ou bien des petits monde des petites filles qui l'école qui gagne qui dans l'université qui pas capable université ou son espace de création pour yo côté au ca venir créer ou apprendre un bagage mais après et tout et puis après toujours un petit cob côté au ca payer l'argent ou bien au petit yo comprendre parce que même ça sensible pour moi pile parce que moi j'ai fait ma 16 ans ça veut dire que ça sensible pour moi pour un adolescent avec un petit soudal et c'est ça que atelier là inaccelé lié c'est un atelier qui là pour petit fille pour fitif avec jeune fille qui dans université et c'est branché au même que me bagarre parce que même l'entre université moi m'étais toujours goumé pour moi pour colle et malgré le fait ma 16 ans et son femme qui pas chambre c'est son goumé pour moi femme sensible pour moi me sensible pour femme sensible pour petite fille car petit sous bras là après là il a c'est ça soit le recyclage comme c'est que tout bagarre parce que je me dis et nous ça que me sensible pour environnement et que nous supposons recycler en pile bagarre nous supposons consommer tout de façon prudemment parce que de façon nous cap payer conséquences là recycler tout ça qui est bon juste pour vivre plus longtemps, recycler tout pour nous-mêmes, pour nous vivre plus loin, plus bien, et bailler l'autre monde qui n'a pas entourage dans la communauté, nous moyens pour survivre, pour vivre bien tout, parce que nous pas qu'à rendre dans la communauté, que nous avons dit que nous avons fait business, dans la communauté qui besoin, nous, surtout Haïti, sur la communauté, si nous avons créé un business, il est important. Bah dit que tout le monde qui a fait business social ou bien créé une communauté, parce que tout le monde a fait ça, la caille, pour passer communauté.
Mais l'important que nous vivons dans l'environnement de Haïti, que l'important que nous conscients que Haïti a besoin de nous tous. Et que Haïti vient de nous crasse comme notre petit, parce que tout problème qui passe en Haïti, il touche nous tous. Avait dit que si nous créons des boîtes, nous créons un kit de business, nous créons des boîtes qui bagaillent. L'important pour nous connaître que la communauté immédiate nous a dit ça qui touche nous, qui prenne nous. L'important pour nous, pour le bon bagaille, pour le sauver tête, pour le utile tête. Moi-même, c'est ça que je crée dans le café doré, qui est à la soleil, qui est à l'atelier. Il y a une soleil qui est une entreprise sociale à part, détachée de café doré, bien sûr, qui est dépendant, mais qui est en bas la belle café doré, mais qui là pour recruter tes filles qui. Ou bravo avec petit ou bien tifi qui est enceinte ou bien tifi qui l'école qui l'université qui l'école surtout qui cache sur tête yo si on veut aider c'est qu'on soit aidé parce que au cas acheter produit tout pas de problème au cas et aider nous tout nos visites website nos banques nos promotions pas de problème mais l'important si moun sa yo pi devant au cas aider yo à survivre nous pouvons lancer projet à vraiment de façon concrète mais c'est ça que de ma cœur. Et parce que nous sommes petites qui sorti en devant ton petit fille qui était 16 ans à l'époque, mais qui était décidé qu'un bel, mais qui était vive, qui était décidé qu'un bel et qui vient sa mère. Ça, on reconnaît ça pour ça. Et chaque moment, on jeune petit fille, on a donné ça avec un petit monde. Ça, interpellé. Merci. C'est très touchant. Merci, Caroline. Uriel, qui côté t'a aimé entreprise ou a rendu comme prochaine étape là? Ok, vraiment. Hello. Oui, allô, vous m'entendez bien, hein? Ok. Et étape comme ça, mes entreprises m'ont franchi, principalement ces femmes, mais qui n'ont pas rempli pour ça, c'est vraiment capable. Présente un produit qui est international. Facilement et rapidement sur le marché international. On est que très, 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 très fait. Mais comme ça, artisanat au moins, et plus ou moins facile pour artisanat, mais pour question et transformation de produits, donc épices, oui, hein? Plus difficile. À part avec ça, moi, j'étais en consultation avec et na programme IT efficace là et puis moins vraiment stratégie en hein, complexité qui derrière ça moins bien hein, et il a expliqué nous il a expliqué moins tout ce qu'à présent pour moins atterrir sur marché là et par rapport avec ça nous arrivé franchi quelques étapes OK quelques étapes à côté que nous voyons produit en Saint-Domingue bien que n'y pas aller prendre aller avec mon nouveau qui a déplacé et là m'a travaillé ensemble avec Kendi voilà et là m'a travaillé ensemble avec Kendi pour nous oui comment capable faire même avec Kendi aux États-Unis à travers notre fond joint venture c'est ça oui. La plateforme ni un qui c'est iSpot tout à fait pour lui-même même nous proposer nous-mêmes entrepreneurs qui dans le domaine là nous proposer nous une solution qui a côté que nous capable vraiment exporter produits par échantillon et mettre produits Gino disponible aux États-Unis. Merci Uriel. Gino bon pour nous-mêmes nous gagnons des objectifs qui très définis nous gagnons court terme moyen terme et puis il y a à long terme à court terme déjà nous dans 5 départements dans pays hein? Donc à court terme c'est faire en sorte que nous couvrir tout département yo là tous les départements au moins gagne un hôpital qui connecté avec Radio-Cap côté que nous avons accès à service d'imagerie hein? À moyen terme c'est à mettre ça y relé intelligence artificielle côté que capable le machine learning sur plateforme donc ça fait que nous devons intéresser à machine learning c'est le fait que nous commençons à gagner en pile données c'est-à-dire en pile radiographie en pile mammographie sur plateforme là côté que nous capable commencer à entraîner des logiciels pour lire des radiographies OK côté que capable avoir des radiographies qui normales etc. Il y a une autre radiographie qui gagne l'autre
pathologie là-dedans pour nous pour capable de commencer. Et puis en plus, moi fait thèse moi et thèse de recherche moi sur tuberculose. Je pense que c'est peut-être une bagaille peut-être des monde qui n'a et des jeunes universitaires capables de considérer tout côté que capable orienter soit entreprise ou sur des recherches côté fait déjà. Et tuberculose toujours endémique en Haïti. C'est-à-dire que tout le monde qui a tuberculose en Haïti et vivre avec Covid qui c'est des deux capable dire deux maladies côté que l'on a regardé sur radiographie ou capable et gagne une forte probabilité pour dire que bon ça Samuel dans la radiographie ça il semble Covid 19 mais Samuel dans la radiographie ça il semble tuberculose. Maintenant c'est à moyen terme c'est toutes données ça aucune pas faire intelligence artificielle nous pas faire machine learning capable éclaircir yo justement et puis sur le long terme c'est ouais comment que Radiocam capable scale c'est-à-dire aller dans l'autre pays c'est pas seulement en Haïti qui ont carence en radiologue c'est pas seulement en Haïti qui ont problème d'interprétation en imagerie médicale pile pays en Afrique et je suis capable de dire même ces domaines qui tout près là dans Caraïbes là des similarités ça donc ça veut dire bon marché ou bon marché oui là évidemment c'est faire en sorte que comment capable exporter logiciel ça et pour me rappeler nous encore c'est pas matériel imagerie que nous pral vendre dans pays ça c'est logiciel technologique là c'est-à-dire que c'est business model là que nous pral mettre dans l'autre pays ça et puis pour scale pour toucher un plus grand marché c'est-à-dire que pour fragmenter fragmentation qui t'ai gagné dans radiographie imagerie pour nous permettre que nous toucher tout yo intégrer parfait voilà et Kendi qui prochaine étape pour ta remet atteindre avec compagnon dans là ça veut dire que ou même me rappeler ou vend épices en poudre et ou même avec Uriel on pense qu'il y a possibilité pour nous ta faire un joint venture oui pour nous ta font coller main oui là qui prochaine étape oui qui prochaine étape pour vous voulez atteindre là m'pense à court terme une principal focus nous actuellement nous avons étudié qui gens nous capable vraiment exporter des quantités qui plus ou moins considérables et une bagaille qui motive choix ça c'est parce que lorsqu'on entrepreneur qui gon produit gon produit ça gon bail physique pour déplacer de un point à un autre pour distribuer et puis ou basé dans grand sud là actuellement basé Jacmel et gen Martissant qui coupé avec m'pense avec plus que moitié dans marché cible moi. Oui, parce que Martissant bloqué. Donc ça arrive même déjà, ça arrive mon fois déjà que mon supermarché et que mon compte bail produit et puis yo te kon toujours refuser prendre en grande quantité malgré me t'offre yo à crédit pas qu'on vas-y et puis on bon les content pas qu'al province et on bon les mal porter produit pour yo dit yo gagne un autre monde qui remplacer les pas sûr m'pa quoi c'est moi seulement qui ça arrivé et donc moi ouais pour entrepreneur qui en Haïti dans un contexte côté ou qu'on est des crises perpétuelles ben c'est exportation c'est une bonne alternative et il y a bon pour pays en tout la favoriser entre devises donc c'est une prochaine étape yo c'est essayer jeune plus partenaire qui capable faire nous un move de grande quantité et dans côté surtout côté qui gagne pile haïtien parce que haïtien c'est des produits vraiment nostalgiques quand ils arrivent là qui sont la caille et sorti à Rome la caillou yo remet ça et une autre focus encore c'est lancer de nouveaux produits. Il y a quelques nouveaux produits qui intéressent nous et que nous regardons qui vient nous capable acheter matériel qui permet nous aller explorer nouvelles pistes. Parce que c'est deux priorités actuellement là à court terme. Merci. M'a pral terminé avec nous chaque, m'a terminé par Caroline. Caroline, j'ai deux questions ou trois questions en vrac à tout le monde. Alors, pour nous capable terminer. Qui pi belle qualité yon moun doit gagner lo plan soit en entreprise et sou ta va gon message ou ba a jeune qui veulent lancer tête yon en entreprise qui s'allier et enfin yon moun qui besoin rejoindre Caroline nan business li ki kote l ka rejoindre m'a reprendre qui pi belle qualité yon moun doit gagner pour lancer en entreprise qui message ou voulez lancer à jeune k ap gado la qui ou même tout a remen lancer en entreprise et si yon moun besoin retrouver Caroline dans business li soit pour l'aider soit pour qu'elle capable lance son partenariat qui côté au ca joindre Caroline 1 2 3 on a dit si vous voulez rejoindre moi après pendant des questions si vous voulez rejoindre moi
Et au cas toujours de moi sur café de presto message la vie de moi ou bien au cas de moi sur WhatsApp tout me parler vite. C'est 37. Est-ce qu'on a un site internet? Est-ce que Café Doré a un site internet? Oui, j'ai un site internet que n'a pas là sur écran, c'est Café Doré en seul mot, en créole, Café Doré, kafedore.store. Mm-hmm. Ou bien sur WhatsApp, tout, si nous dit exactement avec message bien spécifique, c'est 37. That's it. Bon. Maintenant, qui est plus belle qualité au monde doit gagner pour lancer une entreprise, Caroline? Alors que moi qui ai qualité pour faire businessman, en pile fois en pile monde que penser qui pas jamais réussi dans business ou bien qui a plus mauvais qualité ou bien plus mauvais monde, c'est moi qui ai plus succès dans business. Avait dit que apparence pas côté, ou pas avec dit that whatever que au monde qui a lancé dans business parce que vous intelligent ou faire diversité whatever. Ça bagain ça on met le côté. Empathie, c'est ça seulement au monde besoin gagner empathie. Et empathie a fait un grand bagage pour la permet de mettre en place monde qui en face ou qui besoin qui plus quel plus besoin d'un moment. Parce que plus gros business ou même qui fait plus l'argent d'un moment, mais vous êtes qu'à plus mauvais mounio, mais vous faites plus l'argent ou bien vous arrivez plus loin. Parce que vous avez un parti, même si vous n'avez pas montré que vous avez un parti. Mais ça, vous apprenez le marketing. L'important que vous avez un parti, ça veut dire que mettons en place mon d'un moment, ou bien mettons en place mon d'un n'importe qui moment. Par exemple, dernièrement, le Facebook te crash là, WhatsApp, tout le bagage. Je suis sûr que dans pile marketeur dans un moment qui gâte, joigne un pile deal parce que je trouvais que dans un moment, dans pile business, c'est seul réseau social qui a que pour deal avec. Parce que alors que web, y a un website, y a pas gain mailing list, tout le bagage ça y a sur website. Aïe, avait dit que l'important que dans un moment pour garder, mettez en place maintenant pour comprendre qui ça la traverse dans un moment, qui problème dans un moment. Et n'importe qui ça. Un message ou bail jeune yo là. Message ou bail jeune yo c'est que n'importe qui bagay là, c'est on pense pérennité, c'est une bagay que pile business a confronté en Haïti, c'est que moun yo fait business chaque 2 ans, yo font grand nouveau chaque 1 an, chaque 2 ans, chaque 6 mois, yo pas vle goumen avec un grand bagay. Pour qui ça parce que moi j'ai expérience avec pam nan, j'ai 9 ans avec et 9 ans mené en pilote expérience. Pendant m'a dit que j'ai 9 ans Café Doré, j'ai pilote activité que Café Doré. Mais ne bon moi et que me pas parler de eux que me pas obligé parler de eux mais c'est Café Doré qui activité principale là même dans pile d'autres bagages que m'a géré mais c'est Café Doré tout qui mène yo l'important là gain activité pour ne passer pérennité pour ne passer longtemps bagala que va marcher kounya mais faut que nous gain assez bon excuse-moi on va dire gain on gain assez ténacité persévérance on gain on a accès conviction, on compte quand elle veut, on compte qui ça gagne avec qui ça ne veut tout. Parce que moi-même, son monde, l'aime de faire commencer à faire business, surtout Café Doré, l'aime de commencer à faire comme business. Mais quand Green Bagay, comme tu dis, tout ça m'a fait me faire sérieux, me fini. Maintenant, on fait bagay, m'a balancé un rien. Si m'essaye, non, essaye à ces deux jours le prendre. Essaye à pas qu'après, six mois, pas qu'après, maintenant. Et puis après ça, pour me laisser, et puis pour me dire, mais c'est là. Non. Essaye à ces deux jours le prendre. Vous comprenez? Important que nous passer pérennité dans business, important pour nous passer famille tout dans business. L'aime dit famille c'est que impliquer ti moun dans business, impliquer famille nous, non ti moun connaît que famille bon en pile pour mais il important que nous impliquer environnement dans business là, il important. Et c'est comme ça business grandit. Impliquer tout dans vie dans business là, ça que ben nous mettre de côté, échanger nous supposer ce qu'on fonctionner à contrat. Avait dit que faut nous suspendre faire business pendant 1 an, 2 ans, faut faire business pendant toute vie nous pour quitter pour petite nous. Et c'est comme ça que nous avons une génération de classe qui est riche en Haïti. Bon, et ça n'a pas changé, mais espérez. Merci, merci Caroline. Uriel, ma propre question, yo. Qui est la plus belle qualité au monde de gagner pour lancer une entreprise? Qui message ou t'arrête mes bails jeunes? Et toi, si on a besoin de rejoindre Uriel dans le business, li, qui côté nous a rejoindre Uriel dans le business? Uriel Volsi. En allez, Uriel. Alors, plus belle qualité yon moun ka gagne pour lancer un business, c'est confiance dans tête. Parce que, quand on exemple sur moi-même, l'on web, l'on moun tende se sa net, se sa net se pare sur ma chéa. Il pare plus beaucoup fait non. A tisane pas tout, beaucoup fait non assez. Et moi-même, lancer moi pare avec se sa net devant, ou j'en ma présente au produit à malgré que c'est un produit qui est en fait nol dans 4 points payants, ou pas capable. Parce que moi, je montre que je crois dans ce que je fais. Et vraiment, je travaille pour ça.
et moi croire dans ça m'a fait. Donc moi montre moi dégage confiance dans tête, moi confiance dans ça que me voter pour. Donc et moi c'est tout penser que et tout entrepreneur besoin ça. Croire dans soi faire croire dans tête. Deuxième et question c'était qui? Qui message ou t'as envoyé pour un jeune qui a gardé là? Pour un jeune qui a gardé, moi j'ai demandé lui pour lui rester focus, persévérer. Rester focus, persévérer et puis faire résultat. Parce que moi-même depuis 6 ans quand on arrive avec ces sanettes, ces réseaux à réseau m'a marché. C'est des amis. Répétez ça, c'est important. Oui, à faire réseau, c'est important parce que en business, faut gen moun, faut gen zanmi, faut gen contact. Répétez ça pour nous. Voilà, faut gen contact parce que pour moi-même comme moun qui jeune, il faut qu'on ait pile expérience. Donc ça avec moi, moi fait en pile expérience. OK? Moi j'étais vraiment besoin capable de compter sur collègues moi, sur et amis l'école moi, camarades de classe moins professeur moins et participer dans l'autre activité pour rencontrer l'autre monde et c'est vraiment plus je dis ainsi m'ouvrir artisan pas ba un monde ou capable ouais tout monde qui passait qui entrait qui sortait tout monde va venir pour rester gien on dit beaucoup même moi était ouais que moi besoin monde moi besoin capable compter sur une équipe son réseau pour moi avancer et si on a besoin rejoindre Uriel dans business là qui côté pour aller est-ce qu'on a un site web est-ce qu'on a un website pour artisan femme il est capable aller sur www.artisanfemme.com comment on écrit ça artisan femme comment on écrit ça artisan femme a t i z a n p a m d'accord artisan femme hein oui oui si il t'a vol sur Uriel pour ici sur Google tout il a référé la avec artisan femme et pour ça net il est capable aller sur Facebook, il tape Cessanet ou bien sur Instagram, il tape Cessanet. Cessanet sur Facebook, S-E-N-A-N-E accent fort, T. Cessanet Haïti sur Instagram ou bien contactez-nous sur Cessanet Haïti à commercial@gmail.com. Ok, parce que y a des gens qui ont souhaité Edo, ils sont tellement impressionnés par faire Mangza, moi-même très impressionné. Et puis bon, merci. Merci Uriel. M'a râlé pour fête connière Gino. Et qui plus belle qualité au monde doit gagner le la fait business? Qui message ou t'a aimé lancer à jeune yo? Et toi, si au monde besoin joindre Gino pour fête dans business, qui côté le ca joindre? OK. Moi pense que au lieu que m'ta ca courir peut-être parler de qualité, mais on pense m'gain trois piliers. Que nous sommes capables de toujours utiliser leur mot à lancer. Premier pilier, moi j'ai insisté un peu sur lui, c'est à déjà connaître tête ou, c'est-à-dire à travers une mission personnelle. Et déjà dans la catégorie mission, ça, on va le voir, peut-être capable de connaître si c'est pour profit, pour passion et puis pour potentiel. Donc, on va connaître comme potentiel, déjà, on est capable d'utiliser le mettre passion là-dedans et puis capable de rapporter. Ça, c'est surtout pour catégorie mission. Et là, ça, on a des entrepreneurs missionnaires et non des entrepreneurs mercenaires. Ça, très important. Là, ça peut être courir de l'argent, mais on va courir pour résoudre un problème qui vraiment vient dans la communauté et toute notre communauté capable de gagner. Caroline, ça dit à peu près même bagarre là. Il y a empathie, etc. Tout ça là-dedans. Oui, bien sûr. C'est rigueur. C'est-à-dire que investir dans la recherche scientifique. Je sens que peut-être des entrepreneurs que nous gagnons ou bien des jeunes que nous avons rencontrés, pas utiliser recherche scientifique, pas utiliser article scientifique pour innover dans le domaine que nous avons. Alors que recherche et article scientifique, ça, c'est un paquet de ressources que nous avons et qui, c'est comme si c'est des mini-business qui sont validés par des tests statistiques qui sont fiables. Et troisième bagage, c'est technologie côté que nous y là. Non, là. Nous avons un monde là côté que grand pile bagage côté capable de faire longtemps qui était difficile, mais qu'on y a des technologies là-dedans. Ou qu'on cellule en main ou qu'on tablette. Utiliser technologie comme levier pour ou même pour capable lancer un business par là. Quand vous conseillez que je suis capable de faire jeune, yo, moi c'est là que je vraiment arrivé. Oui. Et c'est ou même, il faut toujours grandir pendant que vous faites business là.
et dans business que on fait bat pour capable travailler dans business ça bat pour soit travailler là-dedans que vous sentir à l'aise de même que moi-même on travaille dans radio comme radio et ça va empêcher que moi-même toujours grandir faut toujours apprendre ou pas seulement un gestionnaire non rentrer là-dedans tout ça veut dire continuer à grandir avec moun yo et même tout comme gestionnaire faut toujours aller à faire l'autre étude dans le domaine gestion dans le domaine plateforme pour capable toujours mener business là parce que business là c'est à l'image que lié business là c'est en dedans donc tout pour pas grandir business là pas grandir et c'est ça bon deuxième bagage c'est pas faire un entrepreneuriat juste pour le bon compte pour manger nous aimer peut-être aller dans le domaine ça dans nos pays sous-développés pas de travail nous avons tendance peut-être à aller faire business là juste pour business là pour manger pas faire un entrepreneuriat de survie mais font entrepreneuriat par principe. C'est là où même avec Kaline t'es parlé, c'est ça Kaline se dit, faut penser à long terme. C'est bon bagaille pour là juste pour deux jours, faut penser à plusieurs générations après. Et c'est ça. Et c'est innovation culturelle là tout. C'est-à-dire que pendant la communauté là, faut qu'on regarde qui sa communauté a gagné pour même pour innover sur lui. C'est bien pas sûr. Créons valeur. Oui, c'est pas pour un bagaille dans l'autre pays qui vient déposer par analogie. Mais c'est juste par principe ça que nous voyons dans le pays, nous sommes capables d'innover sur lui. Et ensuite, réinvestir dans le business. Là. C'est-à-dire que pour la poule aux œufs d'or, bail pour les œufs d'or à manger. C'est-à-dire que comme vous faites dans l'entreprise, ce n'est pas courir, dire, ok, c'est bénéficier, etc., mal dépenser, nous faire notre bon achat et puis quitter l'entreprise. Comme vous faites, réinvestir dans l'entreprise pour au fur et à mesure que l'entreprise a de plus de valeur ajoutée. Et là, on peut faire plus de bénéfices. C'est le modèle Amazon, au fait, là. C'est le modèle Amazon. C'est ça. Commencez le modèle. Et pour vraiment finir, parce que on bon équipe. Il faut qu'on gagne une bonne équipe. Et la majorité d'entreprises qui crasent, c'est le cofondateur qui crasent l'entreprise là même avant que la concurrence n'a crasé dehors. Donc, vous atteint un plateau et puis vous pas qu'à bailler plus. Un pays entreprise à craser. Ça, c'est conflit, le principe de Peter. Ou un conflit qui vient de notre business, entre cofondateurs, c'est-à-dire que nous n'avons pas entendu, ou bien cofondateurs qui n'ont pas suffisamment développé par stratégique, qui n'ont pas appris notre bagaille, parce que le marché a évolué, ils n'ont pas appris notre bagaille, ils n'ont pas capable et ouais, plus loin que ça, notre business a gagné 3-4 ans déjà. Et hier, vraiment, je vous dis, je suis capable de dire que l'équipe ça, que nous composons, hein, qui c'est Lundi Barbara Stenfield et puis Fred Roberto Stenfield, qui c'est peut-être c'est la fonction entreprise familiale, côté que j'ai des cofondateurs qui, côté que nous alignons nous ensemble, nous pas les mêmes tempéraments du tout, mais synergie que nous mettons ensemble, c'est-à-dire chaque monde séparément, côté expertise parle et nous tendons chaque monde. Parce que faire cohésion avec équipe ou c'est une plus gros bagage qu'on est capable de gagner. Extraordinaire. Ça ne marche ensemble, ça ne marche pas ensemble. L'essentiel, nous focus sur l'avenir et nous focus sur est-ce qu'on peut résoudre le problème ça, comment on est capable de résoudre. Si on a envie de rejoindre Gino Prophète dans le business, qui côté de nous là? Ok, donc déjà, on est capable d'aller sur www.radiocam.com. On est capable d'écrire nous sur le site internet. Nous. Cam, bien, C-C-A-M, hein? Comme oui, dans la caméra. Radiocam. K-A-M, C-R-A-D-I-O-K-A-M. Ah, en créole, d'accord, très bien. Et puis, nous, sur les réseaux sociaux, vous êtes capable de dire nos prophètes, contactez nous directement, ou bien vous êtes capable de contacter via un numéro WhatsApp que nous avons, qui c'est 40-19-35-19, ou bien 37-41-83-62. Un contact qui a justement souhaité entrer en contact avec vous, monsieur lance le nom bagaille similaire, il est par là, Doc Pam, Docteur Pam. Je ne connais pas qu'on entendait parler de lui. Qui ça le fait, c'est justement, mais c'est l'industrie de demain. C'est offrir des services médicaux, n'est-ce pas? Offrir consultation médicale en ligne, parce que nous ne connaissons pas suffisamment de médecins en Haïti. Donc, M. Guetan dit, il souhaitait entrer en contact avec vous, donc vous mettez en contact ça. Merci, Gino Prophète. Enfin, Jules Kendi, Kendi Koteo. Voilà. Voilà. Qui plus belle qualité yon moun dwe gen lo a plan son nou entreprise ki message ou ta remen voye bay jeun yo kap gado la et si yon moun bezwen rejwenn Jules Kendi nan business ki sa pou le fè. Pour première question, ki pi bèl kalite yon moun dwe gen si la planse yon entreprise et bam di ki kalite m pense ki jwe en faveur mwen an pile, bon c'est ça répond à question.
Et d'abord, m'pense capacité pour monter une bonne équipe, c'est clé. Parce que, tant que Gino te dit, plus entreprise, bon, il y a plus entreprise qui échoue à cause d'une mauvaise équipe que entreprise qui échoue à cause de problèmes de financement. Donc, nous, nous, gens, ça important. Donc, gagner une bonne équipe, m'pense ça joue en faveur parce que j'ai toujours une chance de tomber sous de très bonnes équipes. Des monde que moi toujours entendre avec eux très bien et conflit au laisse à conflit gérer plus facile. Et deuxième qualité hein, c'est persévérance moi et bon depuis me prendre un bagaille moi j'ai tendance et aller jusqu'au bout et puis même dans un moment difficile yo et me penser le fait que me commencer jeune jouer en faveur moi en pile actuellement moi j'ai 25 ans et moi me penser ça jouer en faveur parce que me demande tête moi parfois le bagaille est très difficile me demande tête moi est-ce que si je te gagne beaucoup plus de responsabilités que ça me gagne kounya m'a dit est-ce que me tape kebe même gens parce que là on vient ou non là je pas risqué jeune m'a dit jeune ça donc moment plus bon moment pour commencer à faire kounya c'est pendant nous jeunes là parce que me senti comme pas risqué me demande tête moi est-ce que me pas tape si me te gagne plusieurs petites l'autre souci etc est-ce que me pas tape plus réticent avant de prendre des risques plus conservateur peut-être et me penser être conservateur n'est pas toujours une bonne chose parce que il y a des lettres dans risque on va découvrir des opportunités qui ca changer vie. Et troisième bagaille me penser que troisième et dernier bagaille me penser qui demande pile c'est le fait que me passionné de non seulement entrepreneuriat même passionné de agribusiness parce que je suis dans le domaine agriculture agronome me penser moi bien content c'est là tout moi gain business moi donc moi passe exactement passion et demande pile parce que depuis moi passionné d'un bagaille bon m'a fait bien si me pas passionné de me barrer mail m'ca faire bien mais m'a fait beaucoup plus effort pour me faire bien. Ça c'est pour première question. Conseil pour deuxième question, conseil moins gain pour la jeunesse, la jeunesse, tout le monde qui t'a aimé lancer une entreprise. Bon, pense gain très gain bel conseil que l'autre ami a déjà, mais il y a une bagarre que me l'a dit tout jeune cap tendez là, c'est pour pas peur commencer, pas peur lancer parce que dans pile monde n'a regardé peut-être qui gain comme si qui très actif qui sur réseaux sociaux etc qui a fait business, monde ça va vivre parfois à vivre l'enfer. Donc il y a vraiment prend des chocs chaque jour et parfois me suivre que en pile fois monde qui de entreprise qu'on pensait que entreprise là a fait plus comme l'a fait. Donc pas mettre d'être nous que nous obligé gain tout monde là avant que nous lancer nous parce que plus fort monde n'a regardé yo peut-être gain moins que nous l'a lancé ou encore même kounia yo peut-être gain moins que ça nous pensait que yo gain gain. Donc pas peur commencer petit et tout se créer c'est dans commencer lié. Gain des bagages ou pas besoin apprendre yo avant vraiment commencer des bagages là concrètement. Et me vivre ça. Il y a des bagages dans sauver les produits, dans service vous voulez offrir. Et si on a un cas, j'ai un exemple, dans produit vous voulez vendre, si on a moi-même, Caroline avec Uriel, il y a des bagages qu'on va prendre. Des bagages, des petits bagages qui ont fait grosse différence, on va prendre, c'est pourquoi on doit faire activité. Pour troisième question, comment. Côté nous, quand on a joué dans le business. Et côté on a joué dans le business, on va parler d'abord pour la principale entreprise, mais qui c'est Agrigou. Et on va dire comme ça, Agrigou, nous avons une page Facebook, nous. Qui c'est nous avons un website mais nous pouvons mettre contenu sur lui donc nous seul marché domaine donc nous avons pour Agrigou ou capable de nous sur Facebook c'est Agrigou et pour rappel Agrigou c'est entreprise qui produit épices et herbes aromatiques en poudre donc gingembre safran citronnelle mélisse etc donc nous avons une page Facebook Agrigou et nous capable monter tout sous nous capable contacter Agrigou par email sous Agrigou HT, c'est Agrigou HT à commercial@gmail.com. Agrigou HT à commercial@gmail.com. Tout le monde est capable de contacter sans problème tout sur WhatsApp, sur 4821-7340 et pour rentrer en contact avec Agrigou. Et pour entrer en contact avec Agrigou et l'autre entreprise que m'a lancé avec l'autre ami, vous êtes capable de monter sur. Ça fait me dire Agrigou et l'autre entreprise parce que Agrigou en vente sous plateforme que moi a metté sous pied actuellement et qui est en live qui est en opérationnel là Agrigou en vente au monde qui États-Unis qui acheter Agrigou en détail et au monde qui Canada moi gagne un partenaire qui capable livrer en gros pour moi donc si on monde a regardé là au Canada ou t'as aimé essayer dans store ou bien dans restaurant pareil bon, contactez nous si aux États-Unis même besoin en détail on gagne sa shop acheter sur www.highspot.com highspot là c'est HAISPOT et on pas besoin seulement Agrigou, on a besoin en pile l'autre produit jeune haïtien ici en Haïti et qui bénéficie de entrepôt que plateforme n'a gagné Atlanta comme espace de stockage aux États-Unis et de là étant en tout cas ça fait point
Et de là étant, chaque fois qu'on commande sur plateforme, non, il y a livré le coup dans quelques jours. Dans quelques jours. Donc, c'est www.haispot.com. Donc, nous allons monter pour nous garder, pour nous acheter, partager feedback, nous, tout ça, très important pour nous. Yo di, gade pa PTG. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jules Kendi. Mes amis, c'était tellement yon plaisir pour me recevoir 4 jeunes brillants, 2 jeunes femmes avec 2 jeunes garçons qui étaient là, qui parlaient nous de expérience en entreprise. Nous, yo chaque bien parcours, yo chaque étudié dans des domaines différents. Et ça qui belle là, c'est qu'à un moment donné, yo di, m'intelligent tout, même si m'pa gen grand moyen, comment m'capable créer richesse pour me répondre à besoin. Donc maintenant, comment m'capable créer richesse, comment m'capable distribuer richesse là pour me répondre, n'est-ce pas, à besoin communauté. Quant à la semaine prochaine, n'a pas le gen yon gros atelier, parce que gon bagay m toujours ap di, chaque collectivité doit développer tête li à l'intérieur de paramètres culturels. Chaque collectivité doit développer tête li à l'intérieur de paramètres, n'est-ce pas, langue li, etc. C'est ça qu'une relais culture. Et c'est ça qui fait on dit que le développement pas exporté. C'est chaque collectivité qui développe tête li à l'intérieur de chaque paramètre li. La semaine prochaine, nous pourrons parler de culture. Nous pourrons parler en particulier de musique. Comment musique, avec moun kap fè musique, ka aidé Haïti al pi loin. Nous pourrons recevoir yon go artiste de HMI, là, ça veut dire de industrie musicale haïtienne. Non, son artiste qui sorti dans zone côté m sorti, est-ce qu'on connaît côté m sorti, m'a qui t'a deviné, le son gros atelier là pour aller. C'est yon nan moun ki pi connu, qui pi gen succès dans le domaine musique là, et Bua, c'est même atelier à comment nous capables mettre musique là au service de développement nous. M'a dit nous bagay, États-Unis ou écrivé côté rivé là, li gon grosse machine culturelle derrière, ou ap consommer film américain, ou ap consommer musique américaine, consommer toute qualité produit culturel américain. Et l'Inde ou k'ap développer là, c'est aussi grâce à culture li, parce que gon bagay yo rele Bollywood, côté que l'Inde a produit, n'est-ce pas, film en grande quantité, yo gagné des prix, yo gagné des Oscars, etc. Et bien nous-mêmes, le map gade nous, le map gade Jean Musique nous en belle. Il suffit qu'on joue musique haïtienne. Même mon moun ki poko chame dans des musiques haïtiennes du tout. Ou mettez 2-3 autres musiques haïtiennes, et puis moun nan transformé. Maintenant, en nous gade comment on a pral gagné yon politique culturelle musicale pour aider développer Haïti. Donc, mercredi, li pral un gros atelier, m'pap di non plus. Et ça que ben là, fom fonti parler aussi de ça, m'fait. Dans le dernier livre que m'écris sur Haïti, Haïti miroir d'une société en décomposition, n'est-ce pas? Et si on recommençait, m'parler de nécessité pour que l'école enseigner moun yo comment on lance en entreprise. Faut l'école valoriser métier, faut l'école, n'est-ce pas, valoriser langue nous, faut l'école valoriser culture nous, mais faut l'école montrer ti moun nan que ou pa l'école pour aller chercher job ou à l'école pour capable contribuer à communauté. Et à un moment donné, l'on envie contribuer à communauté ou dit tout, on constate gen tel besoin et c'est ça que Kajen sa ou fait, comment on capable répondre. Soit envie trouver livre ça en français et en anglais, ou capable de trouver le sous-site moyen hein, www.jeanfissemé.com ou bien capable de trouver le tout sur amazon.com, amazon.ca. Mes amis, c'est un plaisir pour que m'te recevoir nous. M'a remercié une fois de plus encore 4 grosseurs invités. Ça, ou même plus gros plaisir, c'est parce que moi, c'est 4 jeunes yoye. Yon, c'est Gino Prophète. Deuxième, nan, c'est Uriel Volsi. Troisième, nan, c'est Caroline Sévère. Quatrième, nan, c'est Candy Jules. M'espérer que exemple que nous baille jodia, la pral multiplier parce que Haïti pas mouri. Haïti pas doué mouri. Mais pour que Haïti pas mouri, faut gen des jeunes tant kou nou kap créer richesse, kap distribuer richesse. Malheureusement, malgré tout effort nous fait, l'État pa bay nou kout men, nou tande sa. L'État pa vini de nou, au contraire, c'est obstacle que le mette nan chemin nou. M souhaite que yon jou nou gon véritable État. Et en parlant d'État, c'est ça que fait m toujours dit, l'État pays sa tellement pas existé que a fait de
à quoi parler pour nous tourner dans l'élection dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Tout bagaille ça, c'est gagote. Faut nous prendre une pause patriotique pour nous retravailler sur chantier fondamental au pays. Donc, je ne vais pas dire plus, je m'habitue à dire déjà, je suis bien content que nous ayons recevé quatre jeunes entrepreneurs. Yo ba information. Côté nous ka joine yo, moi gon moun ki di mes amis m'ta remen investi, c'est ça même nous souhaiter. Al joine yo, al retendez et atelier a, relé au téléphone, écrit au sous Facebook, al sou site yo, aide yo parce que c'est haïtien pour qui aider haïtien. Mes amis, merci en pile parce que côté là, likez émission, n'est-ce pas, partagez-li et pas oublier la semaine prochaine, n'a pral parler de comment culture nous, culture musicale nous, qui a aidé développement Haïti, et n'a pas le fait ça avec yon plus grand musicien qui gagne un temps actuel là, yon nan moun qui gagne plus succès dans HMI là, li sorti dans zone Bolakayam, Mbabdou plus. Allez, au revoir, bonne semaine, bye bye, au revoir.